السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حياكم الله عز وجل. En cette soirée du dimanche 12 ربيع الأول 1436 de l'Hégire, correspondant au 4 janvier 2015, بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب, avant de commencer le cours, je fais deux petites remarques. La première, c'est que demain, inchallah ta'ala, lundi, le mal et le remède, normalement, ce cours est annulé. Demain, inchallah ta'ala, je ne suis pas là pour faire ce cours. Donc, rendez-vous, inchallah ta'ala, mercredi, bi'idhnillahi ta'ala. Reste que, quand on termine le cours et on revient aux questions-réponses, je demande aux admins de me rappeler de dire encore cela. Peut-être il y a des gens qui n'assistent pas au cours, mais qui assistent aux questions-réponses, qu'ils sachent donc cela. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, donc, inchallah ta'ala, on est le 13. On me dit on est le 13, on n'est pas le 11. On n'est pas le 12, Rabi' al-Awwal. Maalish. Jeudi, que je voulais dire Naam. Donc, inchallah ta'ala, on continue, inchallah ta'ala, les trois fondements. Tayyib. Donc, aujourd'hui, inchallah ta'ala, on va lire seulement ce qu'a dit Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah ta'ala, et dans le prochain cours, on va lire ce qu'a dit Cheikh Najmi, rahimahullah ta'ala. Donc, je demande au frère Abdelaziz ibn Adam de se déconnecter de le manara, comme ça, pour qu'il n'y ait pas, yani, puisqu'on n'aura pas besoin du kalam de Cheikh Najmi, rahimahullah ta'ala, jusqu'au prochain cours, inshallah ta'ala. Okay. Alors, Mohamed ibn Abd al-Wahhab, alayhi rahmatullahi ta'ala, a dit, voilà, c'est-à-dire le début du cours d'aujourd'hui, il a dit, non, une seconde, sache qu'Allah te fasse miséricorde, qu'il est du devoir de tout musulman et musulmane, d'apprendre trois choses et de les mettre en pratique. D'apprendre trois choses et de les mettre en pratique. Dans certains livres, c'est écrit, sache que Allah Ta'ala te fasse miséricorde, qu'il est du devoir tout musulman et musulman d'apprendre trois choses. Dans certains livres, c'est écrit d'apprendre trois vérités. Trois vérités. Maintenant, avant de commencer à la première, moi, inchallah ta'ala, je vais vous citer les trois choses dont est en train de parler le matin, rahimahullah ta'ala. Ensuite, on commence par la première, bi'idhnillahi ta'ala. Donc, la première, c'est le fait qu'Allah ta'ala nous a créés, qu'il nous a accordé subsistance et qu'il ne nous a pas laissé son but. Ça, c'est la première. Il a dit, il faut qu'on ait trois choses. La première, le fait qu'Allah ta'ala nous a créés, qu'il nous a accordé subsistance et qu'il ne nous a pas laissé son but. La deuxième, c'est le fait qu'Allah Ta'ala n'agrée pas qu'on lui associe qui que ce soit dans son adoration. Allah Ta'ala n'agrée pas qu'on lui associe qui que ce soit dans son adoration. La troisième, c'est le fait de savoir que quiconque obéit au prophète alayhi sallam et croit en l'unicité d'Allah Azza wa Jal n'a pas le droit de prendre comme allié ceux qui s'opposent à Allah Azza wa Jal et à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas même ses plus proches parents. Je répète, c'est le fait de savoir que quiconque obéit au prophète sallam et croit au tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'il n'a pas le droit de prendre comme allié
ceux qui s'opposent à Allah Azza wa Jalla et à son prophète, alayhi salatu salam, même ses plus proches parents. Ces trois choses, inshallah ta'ala, on va les expliquer une par une. Donc la première chose, c'est le fait qu'Allah ta'ala nous a créés, qu'il nous a accordé subsistance et qu'il ne nous a pas laissé son but. Si vous allez bien suivre avec moi, cette première chose se divise elle-même en trois choses. Naam. Petit a, c'est le fait qu'Allah ta'ala nous a créés. Petit b, c'est le fait qu'Allah ta'ala nous a accordé subsistance. Yu'atayna ar-rizq. Naam. Et petit c, c'est le fait qu'il ne nous a pas laissé son but. Il ne nous a pas laissé son but. Donc, petit a, la première, sa parole, lorsqu'il dit, c'est le fait qu'Allah Ta'ala nous a créé. C'est le fait qu'Allah Ta'ala nous a créé. On va dire ce qu'a dit Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah Ta'ala. Une seconde. Il a dit, les preuves concernant le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés sont aussi bien textuelles que rationnelles. Ça existe aussi bien dans les textes que dans la raison. Avant cela, dans le metn, quand il a dit, c'est le fait qu'Allah azza wa ta'ala nous a créés, nous a donné la subsistance, etc. Il a ajouté une chose, il a dit, une seconde, il a dit une chose, et il ne nous a pas laissé son but. Ensuite, il a dit, une seconde ici, il a dit, hop, là, il a dit, en effet, il a dit, il nous a envoyé un prophète, quiconque lui obéit entrera au paradis, et quiconque lui désobéit entrera en enfer. En enfer. Il a ajouté ensuite, il a dit, il a dit, la preuve à ce sujet réside dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Muzammil 115, Inna arsalna ilaykum rasoulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasoula. Il a dit, 16, fa'asa fir'aunu rasoul fa'akhadnahu akhdan wabila. Donc, nous vous avons envoyé un messager pour être témoin contre vous. De même que nous avions envoyé un messager à Pharaon. Pharaon désobéit alors au messager. Nous le saisîmes donc rudement. Sourate Al-Muzammil 15-16. Maintenant, on va revenir à sa parole, la première parole. La première parole, c'est-à-dire... La première parole, c'est lorsqu'il a dit que Yanni, il est en train de parler de la création. Il est en train de parler de la création. Je répète ici, c'est celle-là. Le fait qu'Allah Azza wa Jal nous a créé. Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah a dit, il y a pour cela, Yanni, des preuves textuelles, c'est-à-dire des textes, et il y a des preuves qui se trouvent dans la raison. On va commencer par les preuves textuel. Citons la parole d'Allah Azza wa Jal. Al-An'am 2. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. C'est lui, Allah Azza wa Jal, qui vous a créé d'argile. Puis, il vous a décrété un terme et il y a un terme fixé auprès de lui, pourtant vous doutez encore. Donc maintenant, les dalils que c'est Allah Ta'ala qui nous a créé. Petit a, la première des choses à connaître et la vérité, c'est que yani, le fait que Allah Azza wa Jalla, c'est lui qui nous a créé. Très important de savoir qui m'a créé pour ne pas rester comme ça dans les ténèbres et dans l'obscurité et dans les doutes et dans le stress comme la situation dans laquelle vivent les kofars. Naam. Il ne sait pas d'où il est venu. Naam. Et il ne sait pas pourquoi il vit et il ne sait pas qu'est-ce qui va se passer après la mort. Donc il vit une vie yani, d'angoisse, a'oudou billah, l'angoisse. Non.
que tu saches pas d'où tu viens, subhanallah al-azim. Comment se fait-il que je sois venu? Qu'est-ce que je fais sur ce monde? C'est plein d'injustices, comme ça il voit. Là, mais il voit pas la hikma d'Allah, et le rizq d'Allah, et la sagesse d'Allah. Non, il voit l'injustice, c'est tout. L'autre il vole, l'autre il fait ceci, cela. L'autre il est riche, moi je suis pauvre. Comme ça il voit. Et quand je meurs, je ne sais pas où je vais aller. Là, donc c'est très difficile de vivre une vie pareille, qui n'a aucun sens. Maintenant, nous, on sait où, alhamdoulilah, qui nous a créés, c'est-à-dire d'où on est venu, qu'est-ce qu'on fait ici? L'adoration. Et qu'est-ce qu'il y a après la mort? L'enfer éternel, a'oudou billah, ou bien le paradis éternel, qu'Allah Ta'ala fasse qu'on soit parmi ceux qui rentrent à son. Donc ici, les preuves. Les preuves, na'am, que Allah Ta'ala, c'est lui qui nous a créés. On va commencer par le Coran, ensuite, yani, la raison. Le Coran, Allah Ta'ala dit, an'am, verset 2, c'est lui qui vous a créé d'argile. D'argile. Vous savez qu'à notre base, na'am, on est d'argile. Pourquoi? Parce que notre père, Adam, alayhi salam, était d'argile. Ensuite, après que Adam se soit marié avec Ève, avec Hawa, et ils ont eu des enfants, ensuite, ce n'est plus une question d'argile, mais c'est une question d'eau. D'eau, naam, l'eau, naam, qui est versée de l'homme dans, yani, l'utérus de la femme et qui donne ensuite un bébé. Mais malgré cela, on contient beaucoup d'éléments qui viennent d'argile. On a, yani, du fer, comme vous savez. On a du phosphate, on a du zinc, on a des choses que je ne connais pas, mais qui viennent de la terre. Pourquoi? À cause de la base de notre de notre existence, c'est-à-dire notre père Adam alayhi salam. Donc, puis, il y a un terme fixé auprès de lui, il a dit pourtant, vous doutez encore. Ensuite, le verset, l'A'raf 11, وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ. Nous vous avons créé, puis nous vous avons donné une forme. Créé, puis, après la création, nous vous avons donné une forme. Et quelle forme, masha'Allah! Quelle forme! Subhanallah! Quelle forme! Une forme, masha'Allah! Tout membre qu'on a, se trouve à sa place. Tout membre qu'on a, se trouve à sa place. Si on avait les yeux derrière la tête, ça aurait été un problème. Non. Si on avait les mains, non. Une main du côté de la tête, du côté du ventre, à fond, du dos, un problème. Si on avait quatre pieds, un problème. On aurait marché comme l'animal. Tout ce que Allah Ta'ala nous a donné, il l'a mis là où il doit se mettre. Là où c'est l'endroit le plus parfait. C'est l'endroit le plus parfait. Ensuite, subhanallah, comment yani, on peut se tenir debout sur deux jambes. Là, se tenir debout, et tout le monde sait que nos deux jambes ne sont pas de la même longueur, comme vous savez. Sinon, on ne peut pas marcher. On a toujours une jambe, je crois, Allah, la gauche, un peu plus petite que la droite, pour pouvoir marcher. Pour pouvoir marcher. Et comme Allah, subhanahu wa ta'ala, yani, les plantes des pieds, alhamdoulilah, ne sont pas plates. Il y a un creux comme ça. Sinon, si c'est plat, c'est difficile pour marcher. Difficile pour marcher. Ensuite, comment Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé de façon à ce qu'on puisse marcher, s'asseoir, yani courir, grimper, faire des cabrioles et faire mille et une choses. Faire mille et une choses. Subhanallah. Ensuite, Allah ta'ala a dit, Al-Hijr 26. Naam. L'oreille interne pour tenir l'équilibre. Non. Dès que y a un petit problème dans l'oreille interne, on commence à avoir on a la tête qui tourne. Et des fois on tombe. Et des fois on tombe par terre. Subhanallah, la des vertiges, voilà. Al-Hijra 26. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. Nous créons l'homme d'une argile crissante, extraite d'une boue malléable. Nous créâmes l'homme d'une argile. Comme j'ai dit tout à l'heure, on a été créé d'argile. Et je vous rappelle le hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme quoi lorsque Allah Ta'ala a voulu créer Adam, il envoya Jibril alayhi salam sur terre et lui ramena de chaque côté de la terre
un morceau de terre. C'est pour ça qu'il y a des êtres humains qui sont de couleur noire, d'autres de couleur blanche, d'autres de couleur grise, comme les hindous. Vous voyez les hindous de couleur grise, d'autres de couleur rouge, comme les indiens. On dit indien par rapport à celui qui habite en Inde, et on dit hindou par rapport à celui qui pratique la religion des bouddhistes. Et je disais, non, donc on a été créé de terre. Il a dit d'une argile crissante. Crissante qui fait, il y a un cri, un son. Quand on prend cette argile, elle est dure, on la jette sur terre, elle fait un son. Tac, tac, tac. Non. Ensuite, il a dit un autre verset. Rome 20. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. Parmi ces signes, c'est quoi? C'est qu'il vous a créé deux terres. Puis, vous voilà des hommes qui se dispersent dans le monde. Non, c'est parmi ces signes. On a été créé deux terres. Ensuite, ce n'est plus la terre. C'est yani, que l'homme se rencontre avec son épouse et ça donne des enfants. Masha'Allah, qui se disperse dans le monde. Non. Il a dit aussi, Ar-Rahman 14, Khalaqa al-insan min salsalin kal-fakhar. Il a créé l'homme d'argile sonnante. Comme on a dit tout à l'heure, crissante, qui sonne. Si on prend l'argile, on commence à frapper dessus, après qu'elle se soit séchée, avec une cuillère ou là, ça fait comme une sonnette. Tin, tin, tin. Il a créé l'homme d'argile sonnante. Comme la poterie. Non, la poterie, si on frappe un pot comme ça d'argile, ça donne un bruit, ça donne un certain bruit. Non. Zumur 62. Allahu khaliqu kulli shay. Allah est le créateur de toutes choses. Il est le créateur de toutes choses. Jusqu'à présent, il y a des muslimines, qui ne savent pas. Et qui ont des doutes et ne savent pas, il te dit qui a créé le mal. Peut-être que, astaghfirullah, il n'y en a même pas qui savent que c'est Allah Ta'ala qui a créé Iblis. Peut-être qu'ils vont dire, Shaitan, il est venu de lui-même. Si tu dis Shaitan est venu de lui-même, on devient kafir, a'oudhu billah. Alors que Allah Ta'ala a dit, Allah est le créateur de toutes choses. Toutes choses qui existent et qui se créent, c'est Allah Subhanahu wa Ta'ala qui l'a créé. C'est pour ça que les savants ont dit, ici, lorsqu'il a dit de toutes choses, ils ont dit, c'est permis de dire que Allah Ta'ala a créé les choses fabriquées. Par exemple, la voiture, elle est fabriquée ou créée? Elle est fabriquée. Les savants ont dit, c'est permis de dire que c'est Allah Ta'ala qui a créé la voiture. Pourquoi? Parce que celui qui a fabriqué la voiture, c'est qui? C'est l'homme. Et l'homme, d'où il est venu? Il a été créé par l'homme. Par Allah. Et cet homme, il a fabriqué la voiture avec quoi? Avec ses mains. Les mains, c'est Allah Ta'ala qui lui ont créé. Il lui ont créé. Il lui a créé. Et pour fabriquer la voiture, il aussi réfléchit et il a besoin d'intelligence et de calcul, etc. Qui lui a donné ça? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. La preuve, s'il était un majnoun, s'il était un fou, il n'aurait pas pu construire la voiture. Donc, qui lui a donné la raison et l'intelligence et la douée de cette intelligence pour pouvoir faire des calculs exacts, etc., etc. Donc, en ce sens, les savants disent, c'est permis de dire que toute chose fabriquée aussi a été créée. Vu le verset que Allah ta'ala dit, créateur de toutes choses, il a créé toutes choses. Alors ici, il ne faut pas oublier que Allah Ta'ala a créé le bien et a créé le mal. Parce que certains ignorants, certains juhal, certains mubtadi'a disent Allah Ta'ala a créé le bien et Shaitan a créé le mal. Nous on dit, déjà quand tu as dit Shaitan a créé, donc tu reconnais qu'il y a un autre créateur qu'Allah. Donc ça devient du kofr. Ça devient du coffre. Il n'y a qu'un seul créateur. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, la règle dit, il y a créateur et création. C'est tout ce qu'il y a.
à part Allah, le Créateur, toute autre chose est création. Car il y a des gens qui ont des doutes. Ils te disent, et le paradis? Non, crie ou pas crie? Crie. Il te dit, le trône. Crie. Et comme ça. Il n'y a pas trois choses. Il y a deux alternatives. Il y a créateur et création. À part Allah Ta'ala, le créateur, tout a été créé. Tout a été créé. Si quelqu'un peut donner une chose à part Allah qui n'a pas été créée, qu'il nous le cite maintenant. Maintenant, il est toujours en train de citer les versets. Il a dit ensuite, Allahu khaliqu kulli shay, il a dit un autre verset. Une seconde. As-Saffat 96. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Alors que c'est Allah qui vous a créé, vous et vos œuvres. Hein? Quand on a dit tout à l'heure que il y a créateur et créateur, il y a Allah, à part Allah, tout a été créé. Tout a été créé. Donc, ici, c'est très clair. Alors que c'est Allah qui vous a créé, Allah qui crée. Donc, nous, vous, on a été créé, et vos œuvres, même ce qu'on fait, les choses qu'on fait, ont été créées. La prière que tu fais, c'est toi qui l'as fait, mais Allah Ta'ala l'a créé. Non. Même quand tu fais le péché, c'est toi qui l'as fait, c'est ton shaitan qui t'a dit de le faire, ou bien ton nefs, mais Allah Ta'ala a créé. Allah Ta'ala a créé ce péché. A créé, par exemple, l'alcool, a créé le vol. Mais tu as interdit de les faire, mais c'est toi qui les fais. C'est toi qui les fais. Non. Pourquoi? Parce que le shaitan ne crée rien. Quelqu'un qui ne sait pas, il va te dire que un frère dit le Coran n'a pas été créé. Non, le Coran c'est ça fait partie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Coran c'est sa parole. Comment on dit que le Coran a été créé? C'est pas possible. C'est Mu'tazila qui dit comme ça. Le Coran c'est la parole d'Allah. Comme les yeux d'Allah n'ont pas été créés, les mains d'Allah n'ont pas été créées. Non, la rahma d'Allah n'a pas été créée. La science d'Allah n'a pas été créée, la même chose. La parole d'Allah, c'est-à-dire le Coran, n'a pas été créée. Non. Donc, qu'est-ce qu'on disait? J'ai oublié ce qu'on disait. Al-Ma'alish, c'est un attribut. Non, c'est un attribut de l'essence et de l'acte. Non, il kalam, c'est un attribut de l'acte et de l'essence par rapport à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors c'est Allah Azza wa Jalla qui vous a créé, vous et vos œuvres. Vous et vos œuvres. Allah Ta'ala nous a donné une force, naam, avec laquelle on fait tout acte, qu'il soit bon ou mauvais. Si Allah Ta'ala n'a pas créé en toi, l'intention, plus la force de faire, par exemple, telle chose, tu ne la ferais pas. Si Allah Ta'ala ne crée pas en toi l'intention, plus il te donne la force de prier, tu ne vas pas prier. Tu ne peux pas prier sans intention. Allah Ta'ala met en place en ton cœur l'intention que tu veux prier. Non, disons, le désir de prier. Ensuite, il te donne la force pour te lever, faire le wudu et venir prier. Sinon, personne ne priera. Non. Ensuite, qu'est-ce qu'il a cité? Un autre verset, il a dit Zariyat 56. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Ici, c'est pour prouver quoi? Que Allah subhanahu wa ta'ala non seulement a créé les hommes, mais a créé aussi les djinns, que certains appellent les esprits, les djinns, non, qu'on ne voit pas, et qui vivent avec nous, et qui se marient, qui ont des femmes, des enfants, des chevaux, des soldats, et comme ça. Et certains disent que les djinns sont très, très, beaucoup plus forts que nous en technologie, en computer et ces choses-là, beaucoup plus forts que nous. Très forts, trop forts. Non. Et les hommes, que pour qu'ils m'adorent. Donc ici, il t'a montré pourquoi il t'a créé. Ce n'est pas pour jouer, ni plaisanter, ni rire, ni faire les blagues. Mais par contre, il a dit que pour, ça s'appelle en arabe hasr. Allah Ta'ala aurait pu dire, j'ai créé les djinns et les hommes pour m'adorer. Mais s'il avait dit cela, on peut dire,
Ya Allah, c'est vrai, vous nous avez créés pour vous adorer, mais en même temps, maadesh, je profite, je fais ceci, cela. Mais quand il dit, je ne t'ai créé que pour que tu m'adores, que pour que, là, ça veut dire toute chose, ça ne doit pas avoir lieu d'exister. Sauf si c'est cette chose, yani on l'utilise yani comme pont pour arriver à l'adoration, comme moyen pour arriver à l'adoration. Maintenant, le cheikh a dit, quant à la preuve de la raison du fait qu'Allah Azza wa Jal nous a créés, ça existe dans la parole d'Allah Azza wa Jal. Au tour 35. C'est un verset en même temps, ça parle de la raison maintenant. Logiquement, c'est-à-dire, on va yani, arriver au résultat en faisant un raisonnement. Lorsque Allah Ta'ala a dit, Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun. Regardez ce verset. Ont-ils été créés à partir de rien ou sont-ils eux les créateurs? Naam. Allah Ta'ala veut dire, tu dois choisir entre ces deux. Alors, ou bien tu n'as été créé de rien, ou bien c'est toi le créateur, car le créateur n'est pas créé. Donc, tu choisis. Tu réponds par quoi? Tu n'as été créé de rien. Naam, comme ça, un jour, naam, tu es venu au monde comme ça. C'est-à-dire que sans que tu sois créé. Et tu es sorti comme ça du ventre de ta mère, mashallah, avec deux mains, deux pieds, deux yeux. Yani, mashallah, à l'intérieur de ton corps, les intestins, le foie, la rate, l'appendicite. Allah Akbar, tout ça, c'est venu comme ça, tout seul. Tout seul. Si c'était yani, un morceau de chair qui serait sorti du ventre de ta mère, plus ou moins, un morceau de chair qui ne contient rien. Un morceau de chair de 100 grammes ou 200 grammes, qu'on va jeter à la poubelle. Mais là, que sorte quelqu'un avec cette perfection, c'est pas possible. Donc, ou bien tu n'as été créé de rien, tu es venu comme ça tout seul, ou bien c'est toi le créateur, puisque c'est toi qui crée. Donc, tu n'as pas besoin de venir, qu'on te fasse venir. Le créateur n'a pas besoin d'être créé. Non. Cheikh dit, en effet, l'être humain n'a pu se créer lui-même. Car, avant qu'il n'existe, il n'était que néant. Et le néant n'est rien. Et ce qui n'est rien ne peut rien créer. En outre, ce ne sont ni son père, ni sa mère, ni personne d'autre dans la création qu'il a créée. Et l'être humain ne peut être apparu par hasard sans créateur. Car tout événement est nécessairement dû à un instigateur. Ce n'est pas possible que la personne vienne comme ça d'elle-même. Sinon, on va te poser la question. Tu es venu, tu vas dire de mes parents, bon, et tes parents, de leurs parents, et leurs parents, de leurs parents. Et d'où est venu le premier? Il faut qu'il y ait un début. Il faut que même on remonte jusqu'à où? Il faut qu'il y ait un début. Comment alors? Parle-moi du début. Comment est venu le début? Chez nous, c'est clair, alhamdoulilah. Allah Ta'ala a créé Adam. Et de Adam, il a fait sortir de la côte gauche. Il a fait sortir son épouse Hawa. Alhamdoulilah, très clair, pas de problème avec des détails dans le Coran et la Sunna. Les autres, non. Dans, comment ça s'appelle? L'Hayra. L'Hayra, c'est-à-dire, on dit en français, Ha'er. Ha'er, c'est-à-dire, il n'a pas de solution. Non. Il pense à des choses, des questions sans réponse. Des questions sans réponse. Comment on dit Ha'er? Rappelez-moi Ha'er en français. Ça fait Ha'era. Hein? Vous ne trouvez pas le mot. Ha'er. Moi, j'ai le mot, mais je ne le trouve pas maintenant. Les admins, vous êtes avec moi. Écrivez numéro 1 si vous êtes avec moi. Taïeb, vous voyez pas ce que ça veut dire Ha'er. Ha'er en français. Ha'er. Étonné. Non, pas dans ce sens. Pas dans ce sens. Et ton est mu'ajib, mu'ajib. Naam. Fi hayra. Fi hayra, c'est-à-dire. Bon, après je vais trouver le mot, inshallah ta'ala. Al-Muhim. Qu'est-ce qu'il a dit ici? Il a dit, naam, il ne peut pas venir comme ça
sans yani créateur, par hasard. C'est impossible qu'il vienne comme ça. Ensuite, c'est impossible que yani cet univers vienne comme ça de lui-même, avec tous ces beaux arbres, des arbres de différentes couleurs, de différentes variétés. Le chêne, le pin, le sapin, l'oranger, le grenadier, l'oranger, le mandarinier, le citronnier, mille et un arbres. Aucun arbre ne ressemble à l'autre. Ensuite, tout ça, c'est venu d'eux-mêmes, et chaque arbre a décidé de donner un fruit, subhanallah al-azim, qui ne ressemble pas à l'autre. Celui-là, il donne la mandarine, l'autre, il donne l'orange, l'autre, il donne les ananas, l'autre, il donne la banane, l'autre, il donne la mangue, l'autre, c'est pas un arbre, mais c'est un buisson, il donne la fraise, l'autre, il donne, subhanallah al-azim, avec des goûts vraiment différents, et des couleurs vraiment étonnantes et attirantes. Tu goûtes la banane, tu dis, Allahu Akbar, je n'ai jamais goûter une chose pareille. Pour nous, ça n'a. Tu vas manger la banane, tu vas dire ça n'a. Ouf, c'est banal. C'est banal. Non, tellement tu en manges. Donne la banane à quelqu'un qui n'en a jamais mangé de sa vie. Tu vas voir s'il va passer ton. Il va dire ça, c'est un fruit du paradis. Donne l'orange. L'orange, c'est banal pour nous. Donne-la à quelqu'un qui n'a jamais mangé d'orange. Seuls que les Africains d'Afrique noire ou je ne sais où, d'Afrique du Sud ou là, tu lui donnes deux oranges, deux. Il te donne un perroquet. Un perroquet qui coûte en Algérie 5 ou 6 millions quand il est jeune. Tu lui donnes deux oranges, il te donne un perroquet. Pourquoi? Tellement l'orange, il y a de la valeur. Non. Non. J'allais dire, la fraise, Allah ibarak, ils sont goûts. La mangue, Allah ibarak, ils sont goûts. Les ananas, Allah ibarak, et leur goût. Et j'en passe. Et la poire, et la mandarine, et la pêche, et la grenade. Yani, vous mangez comme ça sans vous étonner. Moi, je m'étonne. Je ne sais pas si vous vous étonnez, ou bien vous mangez comme ça, yani, sans que ça incite. Yani votre pensée. Subhanallah, c'est étonnant si jamais quelqu'un mange comme ça et qu'il voit pas entre yani quand on mange ces choses qu'il voit pas yani l'avamata Allah subhanahu wa ta'ala. Comment Allah subhanahu wa ta'ala le créateur, comment il crée des choses comme ça, yani comment il diversifie. Diversifie dans les couleurs, dans les goûts. Ça c'est seulement yani par rapport à certains fruits que nous on a vus. Et je suis sûr, il y a beaucoup de fruits qu'on ne connaît pas. Ils se trouvent dans des forêts, etc., qu'on ne connaît pas. Alors, qu'en est-il des fruits du paradis? Qu'en est-il des fruits du paradis? Cher dit, de plus, l'existence de toutes ces créatures dans une organisation, voilà ce que je voulais dire, écoutez bien, l'existence de toutes ces créatures dans une organisation si complète et une harmonie si parfaite, impossible la thèse du hasard. Non, c'est pas possible que tout ce qu'il y a sur Terre, avec toute cette organisation si complète, et cette harmonie, et cette diversité dans les couleurs et les goûts pour les choses qui se mangent, que tout ça vienne par hasard. Moi, je n'accepte pas ça. Non, moi, je n'accepte pas que yani, toutes ces choses comme ça soient venues par hasard. C'est pas possible. C'est pas possible. Pour que ça vienne par hasard, il faudrait y aller des choses qui n'ont aucun sens, qui n'ont aucune forme, qui n'ont aucun goût. Non, d'accord, je dis ça, c'est venu comme ça, par hasard. Mais que ça vienne avec des couleurs comme ça, yani, mashallah, yani, et des goûts comme ça, yani, Allah ibarak, ensuite qu'on dise ça vient tout seul, ah, c'est pas possible. Non, c'est pas possible que ça vienne comme ça tout seul. Il a dit ici, en effet, une chose qui arrive par hasard n'est pas organisée à l'origine de son existence. Comment donc pourrait-elle l'être lors de sa pérennité et de son développement? Nous en déduisons donc que le Créateur est Allah Ta'ala l'unique. Point de Créateur ni de Commandeur, si ce n'est Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ce qu'il a cité le verset.
إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار، نعم يغشي الليل النهار يطلب حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرة بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Votre Seigneur, c'est Allah Ta'ala, qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est établi sur le trône. Il couvre de la nuit qui poursuit celui-ci sans arrêt. Il a créé le soleil, la lune et les étoiles soumis à son commandement. La création et le commandement n'appartiennent qu'à lui. Toute gloire à Allah, Seigneur de l'univers. Seigneur de l'univers. Ismaël Jazeri, je ne peux pas rentrer sur le lien. Non, ça me prend beaucoup de temps, ça me fait sortir du cours. Essaye de rentrer, dis-moi le mot Barakallahu Fik. Je disais, regardez la phrase lorsqu'il a dit, la phrase, suivez avec moi, lorsqu'il a dit, il a créé le soleil, la lune et les étoiles. Il a dit tout ça sont soumis à son commandement. Vous avez vu le soleil, la lune et les étoiles sont soumis à son commandement. Est-ce que le soleil décide de faire ce qu'il veut? Si le soleil n'avait pas de commandeur, pourquoi il ne se trompe jamais de chemin? Pourquoi il sort toujours de l'est vers l'ouest? Pourquoi jamais il n'a fait le contraire? Au moins une fois, pour prouver que c'est par hasard qu'il marche, yani qu'il se dirige là où il veut, qu'il n'y a personne qui le commande. Alors qu'il se dirige une fois de l'ouest vers l'est, il ne le fait pas et ne le fera qu'à la fin du monde. Lorsque ce monde se terminera, hein, parmi les grands signes de la fin du monde, de la fin des temps, le soleil qui va se lever du couchant. Non. Et pourquoi il ne descend pas, yani un peu plus bas? S'il descend un peu plus bas d'un demi-mètre ou d'un mètre, on va tous se brûler. Mais il ne le fait pas. Parce que Allah ne veut pas nous brûler. Ce n'est pas lui qui commande. Pourquoi il ne s'élève pas d'un mètre? S'il s'élève d'un mètre, on va tous devenir glacés. Perplexe, voilà. Perplexe. Hayran. Ha'er. Barakallahu fil ukht. Perplexe. Les kofars vivent ici perplexes. Non, nous ne savons pas, yani, quel est le but de cette vie. Non. Ni d'où ils sont venus, qu'est-ce qu'ils font sur cette vie, dans cette vie, ni où est-ce qu'ils vont partir quand ils vont mourir. Donc ils vivent, subhanallah l'adhim, yani angoissés, stressés. El Mouhim. Donc je reprends le verset ici, lorsqu'il a dit. Donc il a dit qu'il a créé le soleil, la lune, les étoiles, et qui sont soumis à son commandement. C'est lui qui les commande. Et il leur donne l'ordre de bouger, de s'arrêter, de se diriger vers tel endroit, de se chauffer, d'éclairer, et comme ça. Il a dit, la création et le commandement n'appartiennent qu'à lui. En arabe, il a dit, Ala lahu al-khalqu wal-amr. Al-khalqu wal-amr. C'est-à-dire la création et l'ordre. Ici, ils ont dit le commandement. Mais Alish, ce n'est pas... Il n'y a pas une grande différence. Mais remarquez avec moi, lorsqu'il a dit la création et le commandement, ou bien l'ordre, n'appartiennent qu'à lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans cette vie, ne peut me commander et me donner des ordres que celui qui m'a créé. Vous avez compris? La création et le commandement n'appartiennent qu'à lui. Pour que tu me commandes, il faut que tu m'aies créé. Crée-moi, commande-moi. C'est pour cela que si quelqu'un veut m'obliger à suivre une loi, autre qu'une loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut que ce soit loi et lui qui m'ait créé. Car celui qui a la création, c'est celui qui a le commandement. Alors, puisque toi, tu ne m'as pas créé, tu ne peux pas, yani, me commander et me donner des ordres. C'est pour ça qu'on dit, yani, que les lois que font les hommes, les lois qui existent, qui régissent les hommes, non, ce sont des lois qui, quoi, surtout si elles sont opposées aux lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça devient du shirk de les suivre. Ça devient du kofr de les suivre. Sauf si elles ne s'opposent pas aux lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme le feu rouge et
l'interdiction de d'aller dans une rue et comme ça. Le Pourquoi? Parce que la création et le commandement n'appartiennent qu'à Allah. Celui qui t'a créé, c'est lui qui doit te commander. Non, si toi, tu veux me commander, hein, il faut que tu m'aies créé. Tu ne m'as pas créé, donc tu ne peux pas me commander. C'est Allah Ta'ala qui m'a créé, qui a le droit de me commander. Le droit sur moi. C'est pour ça qu'on dit à ces gens, si vous voulez commander les gens, vous voulez commander, non, alors construisez des poupées. Construisez des poupées, comme ça vous pouvez les commander. Soit mettez-leur des piles. Non, ensuite ils marchent avec les piles. Non, et vous leur donnez des ordres d'aller à droite, aller à gauche et comme ça. Ou bien vous les faites marcher comme des marionnettes, avec des fils, tenus avec des fils qu'on ne voit pas. Non. Sinon, nous, puisque Allah Ta'ala, c'est lui qui nous a créés, il nous a dit dans le Coran que c'est lui qui a le commandement. Pas autre que lui. Pas autre que lui. Taïeb. Ensuite, il a cité le verset. Un autre verset, où Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, au tour 35, « Am khuliqu min ghayri shay'in am khalaqu as-samawati wal-arda bal la yuqinun am 'indahum khaza'in rabbika am hum musaytirun » Alors, 35 tours. Ont-ils été créés à partir de rien ou sont-ils eux les créateurs? Alors, tu n'as été créé de rien ou alors tu es toi le créateur? Donc, les deux, ça ne peut pas marcher. Donc, tu es obligé de dire que j'ai été créé. Ensuite, où ont-ils créé les cieux et la terre? Mais ils n'ont plutôt aucune conviction. Regardez, 35, lorsqu'il a dit, ont-ils été créés à partir de rien? Ou bien sont-ils eux les créateurs? Si tu dis j'ai été créé à partir de rien, c'est pas possible. Si tu dis alors c'est moi le créateur, on va te dire 36. Ou bien ont-ils créé les cieux et la terre? Donc, puisque tu dis que c'est moi le créateur, donc, c'est toi qui as créé les cieux et la terre. Tu vas être obligé de dire non, c'est pas moi. Donc, tu vois que c'est pas toi le créateur. Car il y a des cieux et des terres qui ont été créés. Si c'était toi le créateur, tu devrais dire c'est moi. Tu ne peux pas dire c'est moi, c'est pas possible. Donc, c'est pas toi le créateur. Donc, conclusion, tu as été créé. Tu as été créé. Ensuite, il dit, possèdent-ils les trésors de ton Seigneur? Ou sont-ils eux-mêmes les maîtres souverains? Donc tout cela pour prouver quoi? Pour prouver que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a créés. Ensuite, Cheikh, rahimahullah ta'ala, dit, et jamais personne n'a renié la seigneurie d'Allah, si ce n'est par orgueil comme ce fut le Pharaon. Non. Jamais dans le monde, une personne n'a renié c'est Allah Ta'ala le Seigneur, Seigneur des mondes, qui a créé les cieux, la terre, qui fait tomber la pluie, qui fait diriger le soleil. Sauf Pharaon, le premier à avoir fait cette bid'a et de dire, non, il n'y a pas de Rabb, il n'y a pas de Seigneur. Tous les autres disaient, il y a un Seigneur, mais on ne l'adore pas. Le problème, c'était dans l'Uluhiyya, c'était dans la divinité. Sauf Pharaon, le premier à dire, non, il n'y a pas de Rububiyya, il n'y a pas de Seigneurie. Mais Allah Ta'ala dit que dans un autre verset, il a dit c'est-à-dire que même Pharaon lui-même reconnaissait dans son cœur que Allah c'est le Seigneur. Mais il ne voulait pas le montrer comme ça parce que par fierté, par orgueil. Il ne voulait pas dire, il voulait dire c'est moi. Il n'y a pas un autre, c'est moi. Non. Il cite ici le hadith d'après, d'ailleurs, lorsque Jubayr ibn Mut'im. Alors qu'il était encore polythéiste, entendit le prophète alayhi réciter les versets qu'on a cités maintenant. Ont-ils créé les cieux et la terre, etc. Pour cette île les trésors de ton Seigneur, il a dit, mon cœur faillit s'envoler. Et ce fut la première fois que la foi pénétra mon cœur, rapporté par le Bukhari. Il a dit, lorsque j'ai entendu les versets, « Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun am khalaqu as-samawati wal-arda bal la yuqinun am 'indahum khaza'inu rabbika am hum musaytirun » Il a dit, mon cœur faillit s'envoler. Et ce fut la première fois que la foi pénétra mon cœur. Regardez comment le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, naam, il lit juste quelques versets sur quelqu'un et cette personne, subhanallah al-adhim, rentre directement en islam. Pour dire que
يعني la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'impact qu'elle a et l'influence qu'elle a sur les cœurs. Vous trouvez des gens qui, lorsqu'ils veulent yani, faire la da'wah à quelqu'un ou là, ils lui parlent du matin au soir, mais yani, sans que ça ramène yani, aucun résultat. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont rien à voir, ils commencent à faire de la philosophie. Non, philosophie. L'autre, la personne, elle ne ressent rien dans son cœur. Mais, des fois, il suffit de lire à quelqu'un quelques versets, même si la personne peut-être ne comprend pas l'arabe, et si celui qui lit les versets a, mashallah, une bonne voix, une belle voix, il connaît l'ahkam, il peut lui lire juste quelques versets, la foi va pénétrer dans son cœur, bi-idhnillah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il passe au deuxième point. Sa parole, qu'il nous a accordé sa subsistance. Qui nous a accordé sa subsistance. Maintenant, le premier point, c'est Allah Ta'ala qui nous a créés. Alhamdoulillah, on n'a aucun doute. La deuxième, que c'est Allah Azzawajal qui nous donne la subsistance pour qu'on vit. C'est lui qui nous donne le risque. Le risque. Maintenant, il va donner les dalils que c'est Allah Subhanahu wa Ta'ala qui nous donne le risque. Premier verset. Dhariyat 58. Inna Allaha. En vérité, c'est Allah qui est le grand pourvoyeur, le détenteur de la force, l'inébranlable. C'est Allah qui est Razzaq, le grand pourvoyeur, le détenteur de la force, l'inébranlable. L'autre verset, Saba 24. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله dis-leur qui vous nourrit du ciel et de la terre dit réponse Allah qui vous nourrit du ciel et de la terre si Allah Ta'ala ne faisait pas tomber de la pluie naam, il n'y aurait rien sur terre naam. Qui vous nourrit du ciel et de la terre réponds-leur dis-leur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Younes 31. قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. Regardez ce verset. Dit, qui vous attribue de la nourriture du ciel et de la terre? Ensuite, qui détient lui et la vue. Et dit encore, qui fait sortir le vivant du mort et fait sortir le mort du vivant. Et qui administre tout? Ils vont dire les kuffars. Les kuffars vont te répondre. Ils vont dire, c'est Allah. Dis alors, ne craignez-vous donc pas? Donc, vous avez compris que le problème des kuffars, ce n'est pas la seigneurie. Ils savent, c'est Allah qui administre tout. Ils savent, c'est Allah qui donne la nourriture du ciel et de la terre. Ils savent que c'est Allah qui les a créés. Ils savent que c'est Allah qui détient l'œil et la vue. Ils savent que c'est Allah qui fait sortir le vivant du mort et fait sortir le mort du vivant. Mais le problème, c'est quoi? Alors, pourquoi donc vous ne le craignez pas? Et le craindre, ça veut dire l'adorer. Si tu dis je crains Allah, on va te dire. Donc, il faut l'adorer. Mais si tu pries pas, par exemple, tu dis, je crains Allah, je te dis, il faut pas beaucoup mentir. Non, il faut mentir de temps en temps, mais pas exagérer. Comment? Tu ne pries pas, tu dis, je crains Allah. Quelle crainte? Où est la crainte? Tu ne crains pas Allah, tu te sens en sécurité. Si tu le craignais, tu resterais peut-être enfermé dans ta pièce toute la journée à prier. Donc, toi, tu ne pries pas du tout. Comment tu dis, je crains Allah? C'est pas possible. Non, tu te mens à toi-même. Tu te mens à toi-même, alors qu'en vérité, tu sais que c'est pas vrai. Tu sais que tu ne crains pas. Non, celui qui le craint, il n'arrête pas de faire les adorations, il n'arrête pas de pleurer. Il n'arrête pas de pleurer. Al-Muhim. Donc, Allah Ta'ala veut leur dire, de par ce verset, dire, puisque vous reconnaissez que c'est moi qui vous nourris du ciel et de la terre, que je détiens votre ouïe et votre vue, et que je fais sortir le vivant du mort et le mort du vivant, et que j'administre tout, normalement, ça devrait donner comme résultat que vous m'adoriez.
et que vous me craigniez. Non. Donc il veut leur dire, ça ne vous sert à rien de connaître toutes ces choses si vous ne m'adorez pas. Il veut leur dire aussi, toutes ces choses que vous attestez maintenant doivent vous mener normalement à ce que vous m'adoriez. Voilà le vrai serviteur. Mon serviteur, c'est celui qui, en reconnaissant cela, il y a une part, donc il va m'adorer bi'idhnillahi ta'ala. Non. Pour ce qui est de la sunna, on trouve la parole du prophète, alayhi salatu salam, on parle de risque, hein, décrivant le fœtus auquel un ange est envoyé. D'après le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud, que vous connaissez tous, qui est que Allah ta'ala envoie un ange, 40 jours, ensuite 40, ensuite 40, il a dit, le quatrième mois, il envoie un ange. Cet ange a pour ordre, cet ange, qu'est-ce qu'il décrit? Il décrit la subsistance de ce nouvel être humain. Le moment de sa mort, il écrit ses actes, il écrit son bonheur ou son malheur. Rapporté par Al-Bukhari, livre du destin, et Muslim, livre du destin. Est-ce que vous pouvez écrire les quatre choses, inshallah ta'ala, 1, 2, 3, 4, comme ça, dans la même ligne, 1, 2, 3, 4. Alors, qu'est-ce qu'il écrit cet ange? Il écrit la subsistance. 1, la subsistance. Malich, ce n'est pas classé, ce n'est pas classé, mais ce qui nous intéresse ici, c'est qu'il y a quatre choses. Cet ange, dans le ventre de chaque mère, chaque mère qui est enceinte. Alors, les admins, vous êtes là. 1, la subsistance. 2, il écrit, voilà, 1, la subsistance. 2, il écrit le moment de sa mort. 3, les actes. Sauf, ou bien personne n'écrit, ou bien tout le monde écrit. Subhanallah, ou bien personne n'écrit. Ou bien tous ils écrivent. La subsistance, la mort, les actes, et bonheur ou malheur. Bonheur ou malheur. Voilà, Ibrahim. En une seule ligne, subsistance, son terme, ses actes sont bonheur, bonheur ou malheur. Donc le bébé déjà, quand il a seulement quelques mois, Naam, déjà l'ange est envoyé, Naam, et il lui écrit quatre choses, entre autres, la subsistance. Certains disent chez nous, machaf, chez vous, ça existe peut-être, les vieux, les vieilles, on nous a appris ça depuis notre enfance. On dit que tout est écrit sur le front. Le front. On dit tout est écrit sur le djabin, le front. Alors que c'est pas vrai, il n'y a ni un verset ni un hadith qui dit ça. Par contre, tout est écrit dans le ventre de la mère. Dans le ventre de la mère. Quand le bébé atteint un certain âge. Donc le risque. Le risque est écrit. Non. Son terme, que personne ne peut changer. Si c'est écrit que tu vas vivre 30 ans, c'est pas possible de vivre 31 ans ou 30 ans et un mois. C'est pas possible. C'est écrit les actes. Allah Ta'ala sait d'avance tout ce que tu vas faire, comme bien et comme mal. Que tu vas prier, jeûner, faire la, aller à l'Umra, donner de l'argent, construire une mosquée. Que tu vas boire de l'alcool, faire zina, voler, escroquer, mentir. Tout ça, subhanallah l'adim, c'est écrit par détail. Reste que, quand Allah Ta'ala a écrit, il t'a dit de faire, il t'a obligé à mentir, à voler, à escroquer, à boire de l'alcool. Non, il a écrit d'avance ce qu'il sait que tu vas faire, c'est tout. Il aurait pu ne pas écrire jusqu'à ce que tu fasses et ensuite il l'écrit. Mais il a fait son tout et ne peut pas se, puisqu'il ne peut pas se tromper, donc il écrit d'avance. Toi, tu ne peux pas écrire d'avance ce que toi-même tu vas faire demain. Pourquoi? Car tu ne sais pas. Même si tu as l'intention, tu as préparé les valises pour aller voyager demain de Paris à Lyon. Et tu dis, je vais m'arrêter à 10h dans telle ville, à 11h je vais manger dans tel restaurant, à midi je vais aller dans tel hôtel. Mais tu ne peux pas écrire d'avance. Pourquoi? Si tu écris d'avance, il se peut que demain, le programme change. Il y a une grande neige, tu ne pars pas. La route est barrée.
Ou alors tu arrives là-bas, c'était écrit que tu avais écrit d'aller dans tel restaurant. Tu vas dans le restaurant, tu le trouves en train d'être innové, en réparation. Donc il n'y a pas le restaurant, tu vas aller dans un autre. Donc tu ne peux pas écrire, tu vois pourquoi? Tu te trompes, tu ne sais pas ce qui peut se passer demain. Mais là, tu as l'allemand. Il sait par détail tout ce que tu vas faire en détail pendant toute la vie que tu vas vivre. Minute par minute, seconde par seconde, un dixième seconde par seconde. Et en plus de cela, il sait ce que tu penses dans ton cœur et ce que tu vas penser. Et les choses que tu ne vas pas faire si tu les avais faites comment qu'elles auraient été. Subhanallah al-Azim. C'est pour ça donc Allah Ta'ala demande, ordonne à l'ange d'écrire yani, tout ce que yani, tu as. Et son bonheur ou son malheur. Ou son malheur, c'est écrit d'avance. Al-Muhim. Quelqu'un va dire, puisque Allah Ta'ala écrit le rizq, nous on parle du rizq aujourd'hui. Parmi les quatre choses que l'ange va écrire, il va écrire rizq. On va dire, donc, puisque le rizq, il est déjà écrit, donc je reste dans ma maison, je m'enferme et j'attends le rizq. S'il est écrit, il va venir, même si je ne bouge pas le doigt. Et s'il n'est pas écrit, Wallah al-Azim qu'il va pas venir, même si je vais travailler du matin au soir. On va pas me payer à la fin. On va m'escroquer parce que c'était pas écrit que je prenne cet argent. Réponse. Toi, tu ne sais pas ce que Allah Ta'ala a écrit comme rizq et ce qu'il n'a pas écrit. C'est pour cela que tu dois sortir pour aller travailler. Peut-être que Allah Ta'ala a écrit que tu vas travailler dans telle société et tu vas yani, gagner tant d'argent. Mais tu ne sais pas si c'est écrit ou si c'est pas écrit. Donc sors et va travailler tant qu'il y a les moyens de travailler. Si maintenant en travaillant, on t'a donné 500 euros à la fin du mois, ça veut dire que ce risque était écrit. Et alhamdoulilah, tu as pris ton risque. Tu as pris ton risque. Si tu as travaillé maintenant et à la fin du mois, on t'a escroqué, ou bien le patron s'est enfui et il a délaissé la société, s'est enfui, tu ne vas plus le voir. Donc ce n'était pas écrit. Hein, Allah Ta'ala n'a pas écrit les 500 euros. C'est pour ça que tu ne les as pas pris. Et aussi, ça ne veut pas dire que puisque Allah Ta'ala a écrit, puisque Ta'ala a écrit mon risque, ma subsistance, que je ne vais pas faire de doua. Non, peut-être que Allah Ta'ala a écrit que telle part de subsistance viendra par exemple en travaillant. Telle part de subsistance viendra par les doua. Telle part de subsistance viendra par doua plus travail, les deux. S'il n'y a pas les deux, il n'y a pas telle part de subsistance qui va venir. Donc, d'où l'intérêt, le grand intérêt de faire beaucoup de doigts. Peut-être que Allah Ta'ala a dit, cette personne, si elle fait les doigts, je lui donne ses 1000 euros par exemple. Mais si elle fait les doigts, donc toi tu sais pas. Donc toi tu fais les doigts, peut-être qu'il y a de l'argent qui t'attend, ou un bien, ou bien une maison, ou je ne sais quoi, mais à condition de doigts. Donc il ne faut pas dormir et dire. Si ça veut dire tout seul, faut pas dire comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit ici? Il a dit, non, on parlait de où est-ce qu'on était. Voilà. Encore 5 minutes, ça fera un cours. Encore 5 minutes, ça fera 1 heure de cours, Inch'Allah. Non, Fawzi. Si c'est possible, il nous arrête. Il nous dit encore 5 minutes. Ah, attends, 5 minutes, on voudrait s'arrêter. Fawzi. Non. Où est-ce que j'étais exactement? C'est un chauffe. Où est-ce que j'étais exactement? Allah subhanahu wa ta'ala part toujours du risque. On va citer d'autres versets qui parlent du risque. Regardez ce verset. Regardez avec moi ce verset, bi'idhnillahi ta'ala. Al-Waqi'a 63 jusqu'à 70. Afara'aytum ma tahrutun. A antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Law nasha'u la ja'alnahu hutaman fadhaltum. Inna la mughramun. Bal nahnu mahrumun. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من مزل أم نحن المنزلون
لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. Écoutez bien maintenant en français. Allah Ta'ala dit, voyez-vous donc ce que vous labourez, hein, ce que vous labourez. Est-ce que c'est vous qui le cultivez ou en sommes-nous le cultivateur? Nous, quand on jette un grain de maïs ou de blé, et on fait un trou, on le jette dans la terre. On le couvre. Maintenant, est-ce que tu peux garantir que ça va donner quelque chose? Déjà, s'il n'y avait pas d'eau, si Allah Ta'ala ne fait pas descendre la pluie, et tu n'as pas comment arroser cette plante ou bien ce grain ou là, est-ce qu'il va donner quelque chose? Deuxièmement, même en l'arrosant, est-ce que obligatoirement il va donner? Essaye dans ton jardin plusieurs fois, tu vas planter une fleur, tu la plantes normalement et tu l'arroses normalement et tu lui fais ce qu'on doit faire avec la fleur et ça donne pas. Ça monte un peu, ensuite là, elle part. Il n'y a pas de plante, il n'y a pas de fleur. Subhanallah, pourquoi? Allah Ta'ala n'a pas voulu la créer. Il ne veut pas créer un bébé. Il tombe du ventre de la mère. Cette fleur aussi, Allah Ta'ala ne lui a pas donné de vie. Il a dit, elle ne va pas vivre seulement, par exemple, un jour. Et elle va mourir. Elle va se faner ou ne pas sortir du tout. C'est pour ça qu'il a dit, est-ce que c'est vous qui le cultivez? Ou bien c'est nous? C'est nous cultivateurs. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Car nous, on n'a rien fait. Ça ressemble un peu à ce que fait l'homme avec son épouse. Il jette quelque chose dans son ventre. Ensuite, il n'a aucune relation avec ce qui se passe à l'intérieur. Ni lui, ni elle, ni son épouse. Ils se sont rencontrés, ont fait l'union. Ensuite, ce qui va sortir de cette union, ils n'ont rien à voir. Ils ne peuvent pas commander, ni dire on aura un enfant, ni dire voilà de telle couleur il sera, ni de voilà sa taille, voilà la couleur de ses cheveux, voilà la couleur de ses yeux, voilà son intelligence, voilà sa façon de penser, voilà, impossible. Allah Ta'ala t'a ordonné seulement de te marier et de t'unir avec ou plutôt exposé aux privations. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que le vrai sens, ce n'est pas de dire que je suis seulement endetté, mais de dire que t'en as privé. Allah Ta'ala t'en a privé. Et t'as puni peut-être aussi. T'as puni pour un péché que tu as fait. Il t'a dit, c'est de l'argent ici qui va partir en poussière. Ton projet va partir en poussière. Comme Allah Ta'ala a cité dans le Coran l'histoire de certains gens, une famille qui avait un père, Masha'Allah. Un père, Masha'Allah. Et ce père, à chaque fois, c'était le moment de la zakat, tous les pauvres venaient, attendre leur part de zakat, il leur donnait. Masha'Allah, ils revenaient contents chez eux. Ensuite, quand il est mort, la première année où on doit donner la zakat, ses enfants ont décidé de ne pas donner la zakat. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a punis. Qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a envoyé un vent très chaud ou très froid. Très chaud. Qui a tout brûlé. Ou très froid, qui a tout glacé. Il a rendu toute la glace. Et certains ont dit, il a rendu tout feu. Tout feu. Au point où, comme a dit Allah ta'ala, fatafa alayha ta'ifun. Au point que eux-mêmes, quand ils sont partis vers leur ferme, ils sont passés devant leur ferme et ils n'ont pas reconnu que c'est leur ferme. Ils se sont éloignés un peu. Ensuite, ils ont dit, et finalement, ils sont revenus marche arrière. Ils ont dit, subhanallah, c'est notre ferme. Khlas, il n'y a plus d'arbres grillés. Il n'y a plus d'arbres. Aucune âme, aucun fruit. Aucune récolte, rien. Les arbres sont devenus enflammés, grillés, noirs. Subhanallah l'adim. Allah Ta'ala a dit, c'était quoi? C'était à cause du péché, de ne pas donner la zakat. Leur père donnait la zakat, Allah Ta'ala lui donnait des récoltes abondantes. Ceux-là,
ils veulent quoi? Ils veulent empêcher le droit des pauvres. Allah Ta'ala a donné aux pauvres un droit sur ta récolte. Toi, tu dis non, je ne leur donne pas. Je veux m'enrichir. Tu crois que tu vas t'enrichir en quoi? En freinant yani, les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. En éloignant yani, tu crois que tu vas t'enrichir? Au contraire, tu t'enrichis en adorant Allah Ta'ala. Naam. Plus tu l'adores, plus il t'enrichit. Et plus tu lui désobéis, plus il te donne quoi? Il te donne des coups et des épreuves. Naam. Et yani, te donne, yani, pour le croyant et le vrai, et te donne des épreuves et il te donne des difficultés et te donne de la pauvreté. Naam. Il te donne des leçons comme ça pour que tu te rappelles et pour que tu reviennes vers Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh dit, quant à la preuve de la raison, ça c'est l'épreuve du Coran, quant à la preuve de la raison, il s'agit de savoir que nous ne pouvons vivre qu'en mangeant et en buvant. Est-ce que quelqu'un peut vivre sans boire et sans manger? C'est pas possible. Or, la nourriture et la boisson ont été créées par Allah Azzawajal. Or, la nourriture et la boisson ont été créées par Allah Azzawajal, comme on a cité maintenant les versets, yani, voyez-vous donc ce que vous labourez, est-ce que c'est vous qui cultivez? Naam, il a dit, où en sommes-nous le cultivateur? Si nous voulions, nous le réduirons en débris. Et vous ne cesseriez pas de vous étonner de crier, nous voilà endettés. Ou plutôt, nous sommes exposés aux privations. Ensuite, Allah Ta'ala dit, la suite, écoutez ce que Allah Ta'ala dit. Voyez-vous donc l'eau que vous buvez? Vous savez que l'eau, comme a dit le prophète, alayhi salam, il n'y a pas une sada. Quand tu fais l'aumône, mieux que l'eau. Si tu donnes à quelqu'un de l'eau, c'est mieux que tu lui donnes par exemple de l'euro. Non, surtout si quelqu'un te demande par exemple à boire. Donc imaginez maintenant que quelqu'un qui a de l'argent, il va construire des puits dans des villes ou des villages qui n'ont pas d'eau. Subhanallah. C'est pour ça que Yom al-Qiyama, dans le hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que Allah Ta'ala, la première question qu'il te posera par rapport aux bienfaits, car la première question par rapport aux adorations, c'est la salat. Et par rapport au sang, c'est par rapport à ce qui se passe entre les gens, c'est le sang. Est-ce que tu as tué quelqu'un, tu as blessé quelqu'un? Et par rapport aux bienfaits, c'est l'eau. Allah Ta'ala, il te dira, ne t'ai-je point donné une eau, même, dans une version glacée? Naam, mon eau froide. Pourquoi? Il a commencé par l'eau, c'est le plus grand bienfait que Allah Ta'ala puisse donner. Si on n'avait pas d'eau, d'ailleurs ce serait impossible de vivre. Impossible de vivre sur cette terre sans eau, c'est impossible. Et de l'eau, Allah Ta'ala a créé la création. A créé la création. Donc voyez-vous donc l'eau que vous buvez. Déjà, vous savez avec moi que quelqu'un, quand il meurt de soif, si tu lui donnes toutes les boissons gazeuses et les jus de banane, jus de sirop, ça va lui plaire à l'instant, mais il aura toujours soif. Jusqu'à ce que tu lui donnes de l'eau froide pour qu'il en boive et il te dise, Mashallah, Alhamdoulilah, maintenant je me sens rassasié. Auparavant, il a bu une bouteille de Coca-Cola. Il a senti un peu ça va, mais en fait non. Il a toujours soif jusqu'à ce qu'il boive de l'eau. Il n'y a pas une chose qui puisse te rassasier et mettre, yani, faire descendre l'apaisement dans ton cœur comme l'eau, jusqu'à ce que tu boives de l'eau. Voyez-vous donc l'eau que vous buvez. Toi que tu bois l'eau sans lui donner d'importance. Voilà le hadith du prophète, Cheikh Al-Albani a dit authentique. La meilleure aumône est de donner de l'eau à boire, d'après Abdullah ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhu. C'est pour cela que, voilà, Sahih al-Jami'a, 1113. C'est pour cela, Akhi, Orti, Ibni, Binti, quand tu bois de l'eau, n'oublie pas de remercier Allah Azza wa Jalla. Chaque fois que tu bois un verre d'eau, dis-toi, ya Allah Azza wa Jal, combien sont grands tes bienfaits pour moi.
Car si jamais tu nous enlevais cette eau, naam, ce serait vraiment grave. Ce serait vraiment grave. Donc, à chaque fois que tu bois un verre d'eau, dis Alhamdulillah, ya Rabbi, Alhamdulillah, ala ni'ma, ala al-fadl. Naam. Donc, voyez-vous, donc, on répète. Est-ce qu'il a dit, voyez-vous, donc, naam, l'eau que vous buvez. Est-ce que c'est vous qui l'avez fait descendre du nuage ou en sommes-nous le descendeur? Voilà, l'eau que tu bois. Est-ce que c'est toi, avec ton intelligence et je ne sais quoi, naam, tu as fait descendre l'eau du nuage? L'eau, d'où ça vient? Ça monte de la mer, ça monte vers les nuages, ça descend. Naam. Si Allah Ta'ala ne faisait pas monter l'eau de la mer vers le ciel, ensuite vers du ciel vers le bas, comment on pourrait faire de l'eau? Comment on pourrait faire pour boire de l'eau? Car quelqu'un va dire, nous on peut faire monter avec je ne sais quoi. Tu ne peux rien faire monter. Et si tu peux faire monter, tu ne peux pas faire descendre du nuage. Naam. Alors il a dit, c'est vous qui faites descendre l'eau, ou bien c'est nous le descendeur. C'est nous le descendeur. Allah Ta'ala, écoutez bien ce qu'il va dire. Si nous voulions, nous la rendrions salée. Pourquoi n'êtes-vous donc pas reconnaissant? Allah Ta'ala te dit, c'est aïe pour toi. Pourquoi tu n'es pas reconnaissant? Alors que tu sais que si je veux, je fais de sorte que l'eau soit salée. Je fais de sorte que l'eau soit salée. C'est moi qui commande. C'est moi qui ai créé l'eau. C'est pas toi. C'est moi qui l'ai créé. Je lui donne le goût que je veux. Naam. Maintenant, l'eau a un goût, mashallah. Un goût, mashallah. Si je veux maintenant, je la rends salée. Est-ce que quelqu'un me commande? Peut me dire pourquoi? Je ne peux pas. Donc, je ne veux pas pour que yani, vous sentiez le plaisir de boire, pour que vous sentiez yani, que vous avez entre vos mains. Mais pourquoi n'êtes-vous donc pas reconnaissant? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il buvait un verre d'eau, il remercie Allah subhanahu wa ta'ala trois fois. Il dit bismillah, il boit, il arrête un peu, alhamdoulilah. Bismillah, il boit une deuxième fois. Alhamdulillah. Bismillah, il boit. Il termine. Alhamdulillah. Il y a des gens qui, ils boivent un litre sans commencer par Bismillah, sans terminer par Alhamdulillah. Moi, je dis à celui qui boit sans dire Bismillah, sans dire Alhamdulillah, tu n'es qu'une bête. Sauf que tu as yani, des yeux comme nous et tu es debout et tu marches. Sinon, tu es un mouton. Non, disons le mouton, il est mieux. Tu es un âne. Parce que le mouton, au moins, il y a un nez, on profite de lui, on le mange pendant l'Aïd. Mais l'âne, on ne le mange pas. L'âne. Quelle est la différence entre toi et l'âne? Peut-être l'âne, quand il boit, peut-être il dit Bismillah, on ne sait pas. Allahu alam. Cette ni'ma qui est l'eau, la meilleure au monde, la chose dans laquelle tu seras questionné au Qiyam, sur laquelle tu seras questionné, et Allah Ta'ala t'a donné gratuitement, quand il la boit, tu ne dis pas Bismillah, en terminant, tu ne remercies pas Allah Ta'ala, tu ne dis pas Alhamdulillah. C'est quoi cette ingratitude? C'est quoi cette ingratitude? Cheikh Rahimahullah, Yani s'arrête ici, moi j'arrête aussi ici. Je vais ajouter juste une chose, ou là deux ou trois choses dans le risque que Cheikh Ibn Uthaymeen n'a pas cité, rahimahullah ta'ala. Regardez le hadith qui va venir toujours dans le risque, bi'idhnillahi ta'ala. Écrivez numéro 1 si vous m'entendez. Alhamdulillah. Ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إن الرزق لا يطلب العبد أكثر مما يطلبه أجله قال الألباني رحمه الله رواه ابن حبان في صحيحه والبزار ورواه الطبراني بإسناد جيد انظر رجعت صحيح ترغيب حديث 1703 كادي سي لو بروفيت عليه الصلاة والسلام écoutez bien ce qu'il a dit le risque. La subsistance demande le serviteur plus que ne le demande sa mort. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La mort, elle nous demande ou elle nous demande? Elle nous demande.
et elle court derrière nous. Et nous, on se sauve d'elle, on croit que on peut se sauver d'elle, mais en fin de compte, Allah Ta'ala dit dans le Coran, قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ. Il a dit, la mort de laquelle vous êtes en train de vous enfuir, vous la rencontrerez de face, مُلَاقِيكُمْ. Pour te dire que quand tu cours en croyant t'enfuir de la mort, tu cours vers la mort. Tu cours vers la mort. C'est comme si quelqu'un va dire, par exemple, dans ce quartier, j'ai peur de mourir, donc je vais prendre le métro et aller à 10 km dans une autre ville, là-bas c'est calme. Il va là-bas, il trouve la mort qui l'attend, il meurt là-bas. Donc, tu es en train de courir vers ta mort. Donc, la mort, personne ne peut yani, s'enfuir d'elle. Le hadith a dit, le risque te demande plus que la mort ne te demande. La mort. Personne ne peut s'empêcher d'elle. Il faut qu'elle l'atteigne, ça. On est en train d'essayer de se sauver de la mort, mais il faut qu'elle nous atteigne un jour. Il a dit le risque que Allah Ta'ala a écrit, que tu dois manger, que tu dois boire, que tu dois avoir, combien, etc. Il court derrière toi plus que yani, la mort ne court derrière toi. Subhanallah, l'adhim. Pour que vous sachiez que quand Allah Ta'ala écrit que tu vas avoir telle et telle chose, personne ne peut t'enlever. À commencer par le président de la République. Ensuite, tous les soldats du monde réunis ne pourront t'empêcher. Naam, 1 € que Allah Ta'ala a écrit qu'il t'appartient, il va t'appartenir. Et vice-versa. Vice-versa, si Allah Ta'ala a écrit que tel euro ne t'appartiendra pas, tous les gens réunis ne pourront te le donner. Tous les gens réunis avec leurs armées ne pourront te donner 1 € que Allah Ta'ala n'a pas écrit dans la tablette préservée. Donc la subsistance demande le serviteur plus que ne le demande sa mort. Ça me rappelle un hadith que je vous ai cité peut-être 2 ou 3 fois et que je vais citer aujourd'hui peut-être la 4e fois. Mais comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, dhikr, fa inna dhikra tanfa'u al-mu'minin. Il a dit, fais le rappel, car le rappel profite aux croyants. En vous le répétant aussi, vous allez aussi l'apprendre. À chaque fois l'entendre, il va faire partie de vos connaissances, comme ça vous pouvez le citer aux gens. Abu Sa'id al-Khudri, un compagnon, radiyallahu ta'ala anhu, comme c'est dans Sahih al-Bukhari, était une fois avec 10 personnes, avec 30 personnes. Ils étaient en voyage. Ils sont arrivés au désert, ils ont vu des tentes devant eux là-bas. Ils ont dit, on va se mettre yani, loin d'eux. Et comme ça, puisqu'on n'a rien à manger, on va leur demander, peut-être qu'ils vont nous donner à manger. Ils ont envoyé quelqu'un pour demander à ces gens qu'ils leur donnent à manger. Ces gens-là, ce sont des Arabes. Certains ont dit, ce sont des musulmans. D'autres ont dit, ce sont des koufars. Taïb. Quand ils leur ont envoyé pour demander quelque chose à manger, ils leur ont répondu par la négative, que nous, on ne donne rien. On dit, Malish. La nuit, ou le lendemain, avant qu'ils ne décampent, quelqu'un est venu en courant de chez cette tribu-là, soit de Kofar, soit de musulmans, c'est pas important. Et il leur ont dit, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui fait la ruqya? Parce que notre chef a été mordu par un scorpion. A été mordu ou bien a été piqué par un scorpion. Radiallahu a dit, si, c'est vrai, je fais la ruqya. Mais, c'est-à-dire, puisqu'on vous a demandé quelque chose, vous n'avez pas accepté, moi, je ne fais pas la ruqya jusqu'à ce que vous nous donniez 30 moutons. Pourquoi? Parce qu'ils étaient 30. Chacun un mouton. Subhanallah al-Azim. La fierté. La fierté. Moi, si je veux, je demande seulement un mouton, ça suffit. Mais je vais vous montrer, vous. Je vais vous montrer. Et quand on a besoin de quelque chose, vous nous en donnez pas. Je vais vous montrer. Alors maintenant, c'est vous qui avez besoin de nous. Je vais vous montrer, moi. Vous donnez 30 moutons, je fais pas rien. Ils ont accepté. Ils ont accepté, ils ont donné 30 moutons. Vous l'avez sûrement deviné, ils ont accepté. Pourquoi? Parce que c'est le chef qui a été piqué.
Car si c'était quelqu'un de banal, on aurait dit laissez-le mourir, laissez-le mourir. Mais puisque c'est le chef, les gens ne sont pas fous pour le laisser mourir, c'est lui qui commande. C'est pour ça qu'il a dit, donc, dans les 30 moutons, Al-Muhim, qu'a fait Abu Saïd Khoudri, il a lu sur cette personne seulement le Fatiha, 7 fois. Et l'homme qui était évanoui s'est réveillé comme si de rien n'était, a dit le hadith. Si on va dire que c'était des kofars, de ce qui s'est passé ici, de cette histoire, certains savants ont dit, c'est permis de faire la ruqya à un kafir. Ils ont dit, parce que ceux-là, c'était des kofars. Et les savants ont dit, regardez celui-là, quand il a vraiment la foi dans le cœur, il a lu seulement le Fatiha, 7 fois, et l'autre a guéri bi'idhnillahi ta'ala. Alors que nous, on peut lire tout le temps, et elle reste toujours malade. Et quand ils ont pris les moutons, ils ne savaient pas si c'était halal de manger, pour avoir demandé ça en contrepartie de la ruqya, si c'est halal ou c'est pas halal. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les moutons avec eux, ils sont allés à Médine où ils ont demandé au prophète, voilà ce qui s'est passé, on a fait ruqya, ceci, cela. Il a dit, Naam, wa ma adrak annaha ruqya. Et qui vous a dit que c'était, a pris que c'est la ruqya. Il a dit, Naam, donnez-moi yani une partie du butin. Ils lui ont donné, je crois, un mouton, une partie du butin. Non seulement c'est permis, mais encore, donnez-moi une partie du butin. Al-Muhim. Ici, ce que je veux dire qui a un rapport avec le rizq. Ibn Hajr al-Asqalani, dans Fath al-Bari, a dit, en commentant cette histoire, il a dit, qu'Allah subhanahu wa ta'ala écrit à quelqu'un une part de subsistance de rizq, comme il a écrit ici, à ses sahabas, 30 moutons, et que quelqu'un essaye d'entraver, de mettre une entrave au rizq pour que le rizq ne sorte pas. Car quand ils ont demandé avant la morsure du scorpion, ils ont demandé quelque chose à manger, ils ont dit non, on ne donne pas. Alors que la Ta'ala avait écrit que ils doivent avoir 30 moutons de la part. Ils ont dit non, on ne donne pas. Il a dit alors, quand la Ta'ala a écrit quelque chose dans la tablette préservée pour une personne, une part où il y a une part de risque, et que quelqu'un ou quelque chose essaye de mettre les bâtons dans les roues et d'entraver pour que le risque n'arrive pas à son propriétaire, alors Allah Ta'ala emploie de ses soldats que seul lui, Azzawajal, connaît. Qui il veut? Ici, il a employé qui comme soldat? Un petit scorpion. Un petit scorpion qui n'a aucune importance. Qu'on frappe et qu'on tue, pour qu'il ne nous pique pas. Il l'a employé et lui a dit, tu vas être la cause pour faire sortir le rizq, la subsistance qu'on a voulu freiner, alors que je l'avais écrite il y a 50 000 ans dans la tablette préservée qu'elle devait arriver à X et à Y. Donc je vais t'utiliser. Tu vas aller vers le chef, tu vas le chercher dans la tente où il se trouve, dans quelle tente. Et parmi ceux qui sont en train de dormir, tu les laisses tous, tu vas directement à lui et tu lui donnes une morsure. Tu le piques, naam, pour que ils vont supplier les sahaba pour leur donner le rizq. Allahu Akbar, subhanallah al-azim. Allahu Akbar. Quand Allah Ta'ala t'écrit le rizq, comment qu'il fait des sabab pour qu'il t'arrive? Comment qu'il fait des sabab et qu'il emploie ses junoud pour qu'il arrive? Subhanallah Est-ce que la ruqya sur un mécréant est autorisée? Cheikh Rabi a répondu qu'il était autorisé. Il a cité ce hadith scorpion. Il a dit que le chef était mécréant. Non, certains ont dit qu'il était mécréant. Donc, voilà pour le risque. Inch'Allah ta'ala. On va ajouter quelque chose pour le risque aussi. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith authentique, ou plutôt dans ce hadith, c'est si Anna, yani, kana akhawan ala ahd an-nabi alayhi
الصلاة والسلام، فكان أحدهما يأتي النبي عليه الصلاة والسلام، وفي رواية يحضر حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومجلسه، والآخر يحترف. فشكى المحترف أخاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن هذا أخي لا يعينني بشيء. فقال صلى الله عليه وسلم: لعلك ترزق به. انظر السلسلة الصحيحة 2769. Il y avait deux frères à l'époque du prophète alayhi salatu salam. L'un d'eux venait au prophète alayhi salatu salam et assistait à son hadith et à son assise, tandis que le deuxième travaillait. Un jour, le travailleur, celui qui travaille, se plaignit au prophète alayhi salatu salam de son frère et a dit: « Ô messager d'Allah, mon frère ne m'aide en rien. Il reste seulement ici à écouter les hadiths. » Alors le prophète alayhi salatu salam lui répondit: « Peut-être es-tu pourvu de subsistance de sa cause. » Toi, que Allah Ta'ala, auquel Allah Ta'ala te donne du risque, peut-être qu'il te donne à cause de ton frère ici qui est en train de demander la science. Non, le risque, toi tu laisses ton frère aller demander la science et toi tu vas travailler, et bien Allah Subhanahu wa Ta'ala va te donner du risque en abondance. À cause de quoi? Peut-être à cause de ton frère qui est en train de demander de la science. Fisabilillah. Pour que vous sachiez aussi, celui qui aide les gens à ce qu'ils demandent la science. Lui, il travaille et il laisse quelqu'un, lui dit: va demander la science et par exemple, je te donne une paye. Je te donne une paye, va demander la science. Non, mais moi, je vais travailler. Mais allez, moi, je n'ai pas les moyens ou je n'ai pas le temps d'apprendre, mais va toi au moins apprendre et je te paye. Allahu Akbar. Allah Ta'ala va lui donner de l'abondance dans ses biens. Et ensuite, cette personne que tu as déléguée pour qu'elle apprenne et que tu payes, tu lui dis: tu ne peux pas travailler en même temps et apprendre. Mais allez, je vais apprendre toi. Moi, je travaille. Cette personne, quand après, elle va apprendre. Naam, chaque chose qu'elle va apprendre, chaque chose qu'elle va apprendre aux gens, tu vas partager avec elle les hasanats. Partager dans le sens où tu vas prendre comme elle. Comme elle. Jusqu'à ce que la personne meure. Et encore, quand elle meurt, elle aura laissé cette science dans les poitrines des gens. Et ces gens-là, à chaque fois qu'ils vont parler de cette science, elle, celui qui leur a appris, et toi, qui a délégué cette personne pour qu'elle aille apprendre, vous avez les hasanettes. Même quand tu es dans ta tombe, jusqu'à la fin du monde, jusqu'à ce que le monde se termine. Allahu Akbar. Comment qu'étaient les selfs autrefois. Maintenant, tu trouves quelqu'un, il te dit par exemple: je voudrais tel livre, si c'est possible de me l'acheter, je voudrais le lire, j'ai pas les moyens. Et tu as les moyens, tu lui achètes pas. Naam, tu sais que Mskin il voudrait lire ce livre. Naam, fiddin. Naam, et tu lui achètes pas et tu as les moyens. Si tu savais, c'est toi qui le supplierais pour qu'il accepte de toi ce livre. Pour que tu prennes les récompenses. Naam. Mais si tu n'as pas dans la tête et l'intention des récompenses, et tu ne penses qu'à ce bas monde, au lieu de voir les récompenses que tu vas avoir, tu vois l'euro que tu vas perdre. Tu dis: non, mais quand même, je vais perdre 12 euros. 12 euros, c'est beaucoup. Le livre coûte 12 euros, c'est beaucoup. Naam. Au lieu de voir les récompenses que va te faire rentrer le livre, toi, tu vois les euros que tu vas perdre. Au lieu de voir l'au-delà, tu vois le bas monde, ce bas monde, ce foutu bas monde. Naam, le shaitan te ruse. A'oudou billah. Écoutez ce hadith avec lequel on va terminer. Où Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, le hadith se trouve dans Silsila Sahiha, numéro 1359. Yabna Adam, tafarrag li'ibadati, amla sadraka ghinan, ou faqrak. وإن لم تفعل ملأت يدك شغلا ولم أسد فقرك. نعم. Écoutez bien ce hadith qui va venir. Hadith authentique. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui parle. Il dit: ô fils d'Adam, libère-toi, le temps, libère-toi pour mon adoration. Alors je remplis ta pauvreté et je te suffis ta pauvreté. Tu ne deviendras plus pauvre. Sinon, tu ne veux pas te libérer pour moi, pour mon adoration, alors je vais remplir tes mains d'occupation.
et je ne te suffis jamais par pauvreté. Allahu Akbar. Hadith authentique, 1359. Silsila Sahiha. Très grave ce hadith. Très, très. Fait beaucoup peur. Yabna Adam, fils d'Adam. Choisis. Ou bien tu te libères pour mon adoration. Ne prends pas beaucoup de temps, yani de ce bas monde, pour autre chose. Malish, tu travailles, malish. Mets le temps vide. Laisse-le pour moi. Libère-toi, Ibn Adam, pour mon adoration. Alors, je vais remplir ta poitrine de richesse. En étant matériellement pauvre, mais tu vas te sentir comme le plus riche du monde. Et ça ne peut pas exister, c'est-à-dire dans les livres ou je ne sais quoi. Ça, c'est quelque chose qu'on peut vivre. C'est quelque chose qui se vit, c'est quelque chose qui ne se raconte pas. Tu vas dire à quelqu'un, libère-toi pour Allah Ta'ala, adore-le, il va faire de toi un riche dans le cœur. Il ne va pas croire, il te dit, non, ça, c'est pas vrai. Moi, pour être riche, il faut que j'ai la dernière voiture et la meilleure villa. Comme ça, je suis riche. Tu me dis, je suis riche de cœur, je ne crois pas en ça. Non, mais il ne peut pas croire, il ne sait pas ce que c'est. Il ne sait pas que ça veut dire l'iman et la foi et la douceur de la foi, ou ta'am l'iman. Et ces choses-là, il ne peut pas les comprendre. Non. Vous ne savez pas qu'il y a des gens qui matériellement sont les plus riches du monde. Et dans leur cœur, ils se sentent que ce sont les plus pauvres. Non. Pauvres dans la foi, pauvres dans les sentiments, pauvres dans l'amour. Et beaucoup d'eux se suicident. Des milliardaires qui se suicident. Beaucoup d'eux se suicident. Pourquoi ils se suicident? Non, ils ne sont pas le cœur apaisé. Ils n'ont pas la richesse dont on est en train de parler. La sérénité dans le cœur. L'apaisement du cœur. Et je te suffis ta pauvreté. Tu ne seras plus pauvre. Sinon, tu ne veux pas. Non, alors, tu veux passer ton plus grand temps à courir dans les rues. Alors, je vais remplir tes mains d'occupation. Du matin au soir, tu es occupé. Viens, on va lire un peu. Pardon, je suis occupé, je n'ai pas terminé. Viens, on va apprendre, écouter un cours. Excuse-moi, j'ai beaucoup de travail, je n'ai pas terminé. Viens, on va lire au moins le cours. Je n'ai pas tant, excuse-moi, occupé. Je suis pauvre, j'ai peur. Non, j'ai pas pour les enfants, j'ai pas pour acheter les habits, j'ai pas pour le lait, j'ai pas ceci, j'ai pas cela du matin au soir. A'oudou billah, châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que cette personne n'a pas voulu se libérer pour Allah subhanahu wa ta'ala. Elle a fait le contraire, elle se libère yani pour ce bas monde. Alors Allah ta'ala va faire de sorte que elle sera occupée du matin au soir. Il y a des personnes qui sortent à 4 heures du matin, le matin, pour aller travailler, ils reviennent à 20 heures du soir. Et quand ils reviennent à la maison, comment qu'ils rentrent? Ouf, je suis épuisé, je suis éreinté. Où se trouve le lit, ramène-moi la couverture, ne parlez pas, je dors. Non, bima, subhanallah, l'adhim, mais c'est pas miskin celui-là, que c'est pas ça la vie. Ça c'est un châtiment, vivre comme ça, c'est un iqab. Tu n'as pas le temps de penser, yani d'avoir 5 minutes pour ton au-delà. Non, tu viens peut-être tout juste, tu groupes les salates et tu te jettes sur le lit. C'est ça la vie, c'est ça la vraie vie. Pour terminer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique: Man kanat ad-dunya hammahu farraqa Allah alayhi amra, dans une version shamlahu. وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وفي رواية شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. Se trouve dans صحيح الجامع. Quiconque dans ce bas monde est sans souci, alors que va lui faire Allah Azza wa Jalla? Il va lui disperser son affaire. Dans une version, sa famille. Il lui disperse sa famille. Et met sa pauvreté entre ses yeux. Et il n'aura de ce bas monde que ce que Allah Ta'ala lui a écrit. Donc quiconque, dans ce bas monde est sans souci. Car les gens se divisent en deux. Il y en a qui, son souci c'est le bas monde. Et il y en a qui, son souci c'est l'au-delà.
On va parler d'abord de ceux qui, leur souci, c'est le bas monde. Quiconque dans ce bas monde, son souci, yani ce souci, c'est ce bas monde, alors punition, Allah Ta'ala va lui faire trois choses. Disperser son affaire, ou bien sa famille, ou bien les deux. Subhanallah al-Azim. Quelqu'un qui ne pense qu'au bas monde. Et on a des pères de famille qui ne voient jamais leurs enfants. Peut-être même des mères de famille qui travaillent. Sort à 5h du matin, revient à 20h. Classe des enfants endormis, elle les voit seulement le samedi ou le dimanche. Et peut-être pas. Donc, miskine, c'est comme s'il n'avait pas d'enfant. Il lui disperse sa famille. Son père à gauche, sa mère à droite, son fils à gauche, sa fille à droite. Tout ça à cause de la dunya. À cause de la dunya. Et qu'est-ce qu'il lui fait encore? Deuxième punition. Il met sa pauvreté entre ses yeux. Si Allah Ta'ala met la pauvreté entre tes yeux, on va te donner tout l'or du monde, tu vas dire, il n'y a pas plus pauvre que moi. La preuve, il y a des gens ici et partout chez vous qui ne cessent du matin au soir de tendre la main. Ils tendent la main, aidez-moi, je n'ai pas, j'ai des enfants, mon mari est mort, tout ça, mensonge sur mensonge. Ils ont des millions et même des milliards. Des gens, des reportages, etc., ont été faits sur eux. Ils ont des villas et des palais. Et pourtant, Allah Ta'ala a mis la pauvreté entre ses yeux. Il mourra, cette personne mourra, yani affamée. Elle mourra sans jamais boire un jus de raisin ou là, un jus de mandarine. Elle mourra sans jamais bien s'habiller. Elle mourra, yani, sans se remplir le ventre, a'oudou billah. Sans parler que elle n'ira ni à droite ni à gauche avec sa famille, ni au pique-nique, ni rien. Non, du matin au soir, elle tend sa main, donnez-moi, donnez-moi. Pourquoi? Allah Ta'ala lui a mis la pauvreté entre ses yeux. Elle ne verra jamais qu'elle est, alhamdoulilah, suffisante. Et troisième châtiment, Allah Ta'ala te dit, tu n'auras de ce monde que ce que Allah Ta'ala a écrit. Ça ne veut pas dire que si tu vas tendre la main du matin au soir, que tu auras plus que ce qu'il y a sur la tablette préservée. Ce n'est pas possible. Maintenant, et quiconque dans l'au-delà est sans souci, ou bien son intention, celui qui, l'au-delà, c'est son intention. Allah Ta'ala lui regroupe son affaire et sa famille, et met sa richesse dans son cœur, et ce bas monde viendra lui soumettre. Chauffe la première. Donc son intention, c'est l'akhirah. Déjà, quand il se lève le matin, il se lève avec les doigts. Alhamdulillah ahyana ba'd ma amatana wa ilayhi an-nushur. Naam. Il sort de la maison, bismillah, amantu billah, ahtasamtu billah, tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inni a'udhu bika an adilla aw udall aw azilla aw uzal aw ajhala aw yujhala 'alayya. Naam. Bon, il manque quelque chose dans cette doua. Regardez. Et encore dès qu'il s'est levé, déjà, c'est Salat al-Fajr. Il commence par la Salat, masha'Allah. Peut-être qu'il va lire un peu de Coran. Peut-être qu'il va faire l'adhkar du matin. Et déjà, il a l'intention que c'est pour Allah. Yani, faire de fautes dans mon travail. Je ne dois pas faire de haram dans mon travail. Je dois faire de sorte aujourd'hui pour que je prie à l'heure. Dans mon travail. Ruser pour prier, je ne sais comment. Ne pensez qu'à essayer de ce jour-là si je peux jeûner, ce jour-là si je peux donner quelque chose en aumône, ce jour-là si je peux aider quelqu'un, aider mon voisin, aider quelqu'un que je connais pas, l'aider à ce qu'il monte dans le bus, l'aider à lui prendre le couffin s'il est lourd pour lui. Cette vieille femme là-bas, elle a un couffin qui est lourd. Je sais qu'elle ne peut pas le porter qu'avec des difficultés. Est-ce que je peux vous aider, madame? Je vais prendre le couffin. C'est un exemple. Si entre parenthèses, si le couffin ne contient pas de vin, s'il contient le couffin ne contient pas quelque chose de haram, bien sûr. Al-Muhim, il a dit, je répète, et quiconque dans l'au-delà est sans souci. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala que l'au-delà, l'au-delà. Non, tu ne penses qu'à ce qui ravit Allah subhanahu wa ta'ala.
Non, tu ne penses qu'à yani, ce qui yani, rapporte l'agrément comme ça. Azzawajal lui regroupe son affaire. Non, lui regroupe aussi sa famille. Pourquoi? Quand maintenant ton souci c'est l'au-delà, tu as un cœur apaisé, calme. Donc tu sais ce que tu fais. Ta tête, dans ta tête, il y a de l'ordre. Dans ton cœur, il y a de l'ordre. Quand ton intention, c'est la dunya, et c'est l'argent, et c'est la folie des grandeurs, il y a dans ton cœur, il y a quoi? Il y a teshwish. Teshwish, ça veut dire tout est en désordre. Tu ne sais pas ce que tu dois faire, ce que tu dois rapprocher, ce que tu dois éloigner, ce que tu dois. Tu ne sais rien, tu fais n'importe quoi. Non, tu n'as pas de raison, tu fais n'importe quoi. Pourquoi? Car tu as la folie de ce bas monde. Mais maintenant que ton souci, c'est l'au-delà, Allah Ta'ala va descendre la sérénité sur ton cœur, va descendre la quiétude sur ton cœur, va descendre l'apaisement sur ton cœur. Tu es, masha'Allah, stable, inébranlable. Non, tout est à sa place. Alors Allah Ta'ala va te regrouper tes affaires, va te regrouper ta famille. Tu sais ce que tu dois faire avec ton mari, avec ton épouse, ce que tu dois faire avec tes enfants, où tu dois les mettre, où tu dois pas les mettre, comment que ce que tu dois leur acheter comme habit, ce que tu ne dois pas, et comme ça. Tout est ordonné chez toi. Et Allah Ta'ala a mis la richesse dans ton cœur. Non, tu te sens masha'Allah. Tu n'es pas comme les autres qui ont tout et qui se suicident. Non, toi tu n'as rien, tu as juste de quoi manger et boire. Mais tu dis Alhamdulillah. Alhamdulillah, moi je ne vis pas pour manger et boire. Je vis pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, que je mange le caviar. Ou bien que je mange du pain et du fromage. Il n'y a pas grande différence chez moi. Parce que tout ça, c'est juste pour se tenir debout et pour ne pas mourir et pour pouvoir dormir. Car quand on ne mange pas, on a faim, on ne peut pas dormir. Juste pour dormir. Mais l'essentiel, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Toi, tu as mangé le caviar, tu as mangé cinq sortes de poissons ce soir. Mais tu n'as pas prié à l'heure. Hein? L'heure, tu l'as prié la nuit. Et l'Aïcha, maintenant, il est 1h du matin, tu n'as pas encore prié l'Aïcha. À quoi ça te sert d'avoir mangé cinq sortes de poissons? Moi, j'ai mangé une omelette, deux ou trois œufs et un morceau de pain. Mais alhamdoulilah, toutes les salades, je les ai faites à l'heure. Est-ce que tu crois que tu es mieux que moi? Toi qui as mangé cinq sortes de poissons et cinq sortes de fruits, moi je n'ai rien mangé comme fruits. Je n'ai pas les moyens. Ça veut dire que tu es mieux que moi. Wallah al-azim que je me sens mieux que toi. 1000 fois. J'ai déjà ce plaisir dans mon cœur, cette joie d'avoir prié à l'heure. Allah Ta'ala m'a aidé, j'ai prié à l'heure. Toi tu as oublié Allah subhanahu wa ta'ala. Juste tu as mangé un peu plus. Tu as oublié Allah subhanahu wa ta'ala, tu as oublié tes prières. Espèce d'ingrat. Espèce d'ingrat. Toi qui as mangé toutes ces choses aujourd'hui, tu devrais être reconnaissant et non seulement prier à l'heure, mais encore faire des nafilas. Faire des nafilas pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala de t'avoir donné tout ça à manger aujourd'hui. Mais toi, tu as fait le contraire, tu es un ingrat. Tu es un ingrat. Non. Il a dit, mais sa richesse dans son cœur et ce bas monde viendra à lui soumis. Wallah al-azim, que celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala avec sincérité, que ce bas monde viendra prosterner à tes pieds. Il viendra prosterner à tes pieds. Allah subhanahu wa ta'ala va descendre l'mahabba ou l'mawadda, l'amour, ton amour des gens. Non, tout le monde t'aimera. Tout le monde voudra, si c'est possible, t'aider. Tout le monde voudra te donner. Tout le monde. Le bas monde viendra, on te fait des propositions. Viens travailler chez nous, viens, je te donne directeur chez moi. Reste chez toi, je te donne de l'argent. Reste ceci, cela. Le bas monde, Naam, viendra soumis. Parce que le bas monde appartient à Allah Ta'ala. Allah Ta'ala veut te donner comme récompense pour l'avoir, pour t'être libéré, pour son adoration, de te donner ce bas monde avant de te donner le paradis dans l'au-delà. Voilà, inshallah ta'ala, pour aujourd'hui, on arrête ici, inshallah ta'ala, et en même temps, puisqu'il n'y a pas cours demain, donc on a profité pour rallonger. Demain, inshallah ta'ala, le cours sur, voilà, n'aura pas lieu. Sur le mal, il n'aura pas lieu.
lieu. Subhanak, la ilaha illa anta. Et Abdelaziz, le prochain cours, inshallah ta'ala, c'est l'explication de Najmi, rahimahullahu ta'ala. Donc à tout à l'heure, inshallah ta'ala, pour les questions-réponses. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, première question. Je suis une sœur avec des enfants et j'ai, alhamdoulilah, une petite économie. Je suis convaincu, alhamdoulilah, qu'Allah, Ar-Razzaq, ne m'abandonnera jamais, inshallah, Montre. à chaque fois que c'est lui le pourvoyeur. Cependant, je n'arrive pas à gérer, à distinguer entre avarice et dépenses inutiles. Le fait de garder cette économie jusqu'à ce qu'Allah m'accorde la hijra, est-ce de l'avarice ou bien dois-je la dépenser pour ma mère quand elle en a besoin? Je précise que ma mère se plaint de ne pas avoir d'argent, mais quand je lui donne, elle dépense dans les choses inutiles. Fadha cher. Bismillahirrahmanirrahim. Quand c'est les parents là, qui ont besoin d'argent, même si j'ai caché un peu pour le Hajj, qui est un pilier de l'islam, et ils demandent de l'argent, je dois leur en donner. À condition que je sois sûr qu'ils ne les dépensent pas dans des futilités. Mais s'ils les dépensent, par exemple, pour acheter des fruits, là, pour acheter un vêtement dont ils ont besoin pour acheter, hein, je dois leur donner car Allah Ta'ala va yani, m'en donner davantage. Non, Allah subhanahu wa ta'ala va yani, me récompenser ici et dans l'au-delà. Ici, il va me redonner davantage d'argent, davantage. Mais maintenant, si je suis sûr qu'ils vont acheter des choses haram ou bien des choses vraiment futiles, non, je peux. Je ne vais pas dire ne pas leur en donner du tout, mais pas leur donner tout ce qu'ils veulent, disons à 100%. Sinon, si c'est des choses, par exemple, comme ils souhaitent manger une chose ou souhaitent yani, acheter une chose qui est halal, non, je leur donne autant que je puisse. Allah subhanahu wa ta'ala va m'ouvrir d'autres portes. Non, va m'ouvrir d'autres portes et m'ouvrir aussi de ses armoires et de ses trésors, bi'idhnillahi ta'ala. Non, tfadl. Question suivante, question d'un frère. Cher qu'Allah Ta'ala vous préserve, ainsi que tous les musulmans. J'aurais une question concernant la meilleure des aumônes, qui est de l'eau. Si je fais une aumône pour la construction d'un puits, aussi minime soit-elle, a-t-on notre part de hasanat quand une personne boira de l'eau? Wafaqakum Allah. Fadha cher. Bon, inshallah ta'ala, est-ce que tu m'entends? Est-ce que vous m'entendez? Salam alaikum. Avant que tu me répètes la question, musulman, avant que tu me répètes la question, je viens de me rappeler une chose. Je viens de me rappeler une chose. Alhamdoulilah, je l'ai vu ici, sinon je ne serais jamais rappelé. Il y a peut-être deux cours. On m'a parlé une fois, si vous vous rappelez, du hadith, que il y a 70 000 personnes qui vont entrer Yom al-Qiyamah sans jugement. On a dit c'était ceux qui ne demandent pas la ruqya, ceux qui ne se brûlent pas et ceux qui n'ont pas la superstition et ceux qui, Allah subhanahu wa ta'ala, étaient au Kelun. Ensuite, j'ai dit, si vous vous rappelez bien, j'ai dit, yani, ces 70 000 auront avec eux 70 000 autres. Ensuite, j'ai dit non, chaque personne aura 70 000. Non, ça veut dire, j'ai dit deux choses. En vérité, ce qu'il fallait dire, c'est voilà ce qu'il fallait dire. Regardez le hadith. J'espère que c'est lui, là, Inch'Allah. Voilà le hadith. La yadkhulanna al-jannata min ummati 'alayhim wa la 'adab. Ma'a kulli 1079. Donc il fallait dire que de ma nation vont rentrer 70 000 yawm al-qiyamah qui n'auront pas de jugement, ni de... Et avec chaque 1000, 70 000. Alors que moi j'ai dit chaque personne 70 000. Ou bien j'ai dit avec les 70 000, il y aura 70 000 autres. Mais ce qu'il faut apprendre, c'est de dire avec chaque 1000, il y aura 70 000. Quelqu'un, par curiosité, peut nous faire le calcul. Combien de gens vont rentrer Yom al-Qiyamah sans hisab, ni châtiment. Donc il y aura, puisqu'il y a 70 000 et chaque 1000
avec 70 000. Donc il y aura 70 000 plus 70 fois plus 60. C'est comme ça à 70 000. Est-ce que quelqu'un peut nous faire un calcul vite? Un calcul. Al-Muhim, j'attends, Inch'Allah Ta'ala, votre réponse dans le prochain cours. J'attends votre réponse dans le prochain cours, Inch'Allah Ta'ala. N'oubliez pas seulement, voilà, prof de maths à domicile, on lui fait des doigts et nous donne la solution. N'oubliez pas que il faut ajouter 70 000 à ce calcul. Parce qu'il y a 70 000 plus parmi les 70 000, naam, chaque 1 000 qui fait rentrer 70 000 autres. Il y a un prof à domicile qui a dit 4 970 000. Il a dit 4 970 000. Allahu alam. Allahu alam. Quand on zidou mena le prochain cours, on va voir. Tfadal. Oui, on doit ajouter 70 000. On doit ajouter 70 000. Mousseline, j'attends ta question tout à l'heure. Non, monsieur, je vous la répète. Question suivante. Donc, c'est un frère. Cher qu'Allah Ta'ala. Cher qu'Allah Ta'ala vous préserve, ainsi que tous les musulmans. J'aurais une question concernant la meilleure des aumônes qui est de l'eau. Si je fais une aumône pour la construction d'un puits, aussi minime soit-elle, a-t-on notre part de hasanat quand une personne boira de l'eau? Tfadal cher. Naam, c'est comme pour la mosquée. La mosquée, quelqu'un va donner par exemple 10 000 euros pour la mosquée. Et quelqu'un va donner 10 euros pour la mosquée. Naam. Allah Ta'ala va donner à celui qui a donné 10 000 euros beaucoup plus, yani, de récompense qu'il ne va donner à celui qui a donné 10 euros. Mais quand même, celui qui a donné 10 euros participera avec une certaine, yani, une certaine, yani, nisba. Donc il participe, il n'aura pas autant de hasanat comme celui qui a donné 10 000, mais inshallah ta'ala, il aura toujours une part, il aura toujours une part, bi'idhnillah ta'ala. Et bien sûr, sans oublier que la sincérité joue un grand rôle, et que des fois en donnant juste un peu, on peut avoir beaucoup avec la sincérité, inshallah ta'ala. Tfadhal. Non, cher, on me répond en PV. En fait, qu'un frère a compris votre erreur concernant le calcul. Il dit, vous avez fait 70 000 plus 70 fois 70 000. 70 000 plus 70 fois 70 000. Et là, il est retombé sur le résultat que vous avez donné sur l'écran. Donc, quelle est là l'erreur que vous avez faite? Voilà. Question suivante, cher. Qu'Allah vous accorde le Firdaous. Une sœur convertie demande. Afwan, juste pour ne pas aller loin, ensuite j'oublie. Naam, moi quand j'ai dit ça, je ne suis pas très sûr. Je voulais juste vous dire que il faut pas oublier qu'il faut compter les 70 000. Car il y a d'abord 70 000, ensuite parmi les 70 000, dans chaque 1 000, il y a quelqu'un qui va rentrer, chaque 1 000 vont rentrer 70 000. Ensuite, n'oubliez pas que, question de mathématiques, il ne faut pas prendre. Hein, je n'ai jamais pris dans mes notes plus de 2 ou 3 en mathématiques. 2 ou 3, jamais plus. Sauf une fois. Sauf une fois, j'ai dit comment, pourquoi, qu'est-ce qu'ils ont de plus que moi? Yani, pourquoi ceux-là, ils peuvent avoir 15, 16? J'ai essayé. J'ai dit donc, c'est une question de, il faut suivre, c'est tout. Car les mathématiques, c'est comme une chaîne. Tu suis ce qu'a dit aujourd'hui le prof, demain, c'est la suite. C'est comme ça, des règles et c'est comme une chaîne. J'ai suivi pendant 2 mois, peut-être 3 mois. J'ai eu 15. La première fois de ma vie, j'ai eu 15 en mathématiques et on a cru que j'ai copié. On a dit non, ça c'est pas vrai, il a copié. Donc, ils ont raison de penser comme moi, de penser comme ça, parce que c'est impossible que je prenne plus de 2 ou 3. Al-Muhim. Ah, mon cher, donc je vous répète la question de la sœur qui dit qu'Allah vous accorde le Firdaous. Quand j'étais mécréante, ma grand-mère est décédée. J'ai alors hérité de l'argent de sa part. Des années plus tard, je me suis converti. Donc ma question, est-ce permis de garder cet argent car le musulman n'hérite pas du mécréant?
ou puis-je le garder car au moment où j'en ai hérité, j'étais donc mécréante. Barakallahu fikoum pour votre réponse. Tfadal cher. Afwan Muslim, je n'ai pas le début de la question. Je n'ai pas, j'ai seulement la fin, si je peux le garder. J'étais mécréante, ma grand-mère est décédée. J'ai alors hérité de l'argent de sa part. Des années plus tard, je me suis converti à l'islam. Donc ma question, est-ce que je peux me dire cet argent, quand je ne m'hérite pas du mécréant, puis-je garder, car au moment où j'étais quelqu'un. Non, ça n'a rien à voir, parce que cet argent a été pris autrefois dans la djahiliya, dans le coffre. Non. Et maintenant, quand la personne entre en islam, son argent d'autrefois devient halal. Sauf si cet argent a été volé, par exemple, elle doit le rendre à quelqu'un. A été escroqué, on doit le vendre. Et comme ça, si c'est de l'argent qu'on a eu par consentement, il devient notre argent, bi'idhnillahi ta'ala. Wallahu azza wa jal a'lam. Tfadal. Ah, Michel, la question suivante, je vous la poste. Elle est en arabe et je vous laisse donc le soin de la lire. Inch'Allah. Tfadal, cher. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال الأول يقول: هل القضاء والقدر بمعنى واحد ومعناهما؟ والسؤال الثاني: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، رواه مسلم. ما معنى هذا الحديث؟ فتح الله عليكم. Celui qui a posé la question en arabe n'a pas dit si je lui réponds en arabe ou bien je lui réponds en français. Le temps qu'il nous dise cela, pose une autre question, inshallah, Muslim, تفضل. Non, cher, un frère fait une remarque concernant la réponse que vous avez apportée sur l'aumône, le fait de donner. Il dit, le cher a dit que celui qui donne 10 euros a moins de récompense que celui qui donne 1000 euros. Mais ceci n'est pas toujours vrai, car si celui qui donne 10 euros a peut-être donné la moitié de sa fortune, alors que celui qui a donné 1000 euros a donné seulement une infime partie de sa fortune. Il y a d'ailleurs un hadith sur cela. Tfadal cher, si vous avez une remarque à faire. Oui, c'est bien ce qu'a dit cette personne, mais ce n'est pas de cela que je parlais. C'est pour ça que j'ai dit que, si vous m'avez entendu, j'ai dit que, mais des fois, celui qui a 10 euros, s'il est plus sincère que l'autre, il peut avoir plus de récompenses que celui qui a donné 1000 ou 10 000. Donc ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est une question aussi de sincérité, c'est une question de qui est beaucoup plus dans le besoin que l'autre. L'autre qui a donné 10 000 euros, peut-être il en a. Des milliards. Et l'autre qui a donné peut-être 10 euros, peut-être il n'a que 20 euros. Il a donné 10, c'est aussi beaucoup. Naam. Alhamdoulilah. Donc on est en train de parler en général. Sinon, dans des détails, il y a beaucoup, il y a de choses à dire. Naam. Comme a dit cette personne qui a fait cette remarque. Barakallahu fih. Naam. Tfadlan. Question suivante, chère question d'une sœur. Donc par rapport au cours de ce soir, lorsque vous disiez que qu'on dit qu'Allah a créé telle et telle chose, a-t-on le droit de dire qu'Allah a créé le préservatif, par exemple? Tfadal cher. Ce qu'il faudrait savoir, c'est que il y a des choses qui sont créées et il y a des choses qui sont fabriquées. Tout ce que Allah Ta'ala a créé, aucune personne ne peut le fabriquer. Et tout ce que les personnes fabriquent, Allah Subhanahu wa Ta'ala ne le crée pas. Pourquoi? Pour qu'il y ait la différence entre la création du créateur et la fabrique ou quelque chose comme ça du fabricant. L'âme, Allah Ta'ala veut qu'il y ait cette distinction, grande distinction entre ce que Allah Ta'ala crée et ce que Allah Ta'ala crée. Aucune personne ne peut le fabriquer, sinon les gens ne sauront plus est-ce que cette chose a été créée par Allah ou par la personne. Et ce que les gens fabriquent, Allah subhanahu wa ta'ala ne le crée pas, pour qu'il n'y ait pas de confusion. Mais j'ai dit tout à l'heure et fait une remarque, comme dit Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, dans l'un de ses livres, et peut-être dans Kitab Tawhid, peut-être, mais dans l'un de ses livres, il dit, d'une certaine façon, d'un certain point de vue, tout ce qu'on fait nous, tout ce qu'on fabrique, on peut dire qu'il a été créé par Allah subhanahu wa ta'ala, en ce sens que si ce n'est pas Allah qui nous a donné
notre raison et nous a donné les mains, nous a donné les yeux, nous a donné ceci, cela, on n'aurait pas pu, yani, on n'aurait pas pu fabriquer cette chose. En ce sens, tout ce que nous on fabrique, on peut dire qu'il a été créé. En ce sens, si on veut dire que yani, c'est car Allah, c'est lui qui nous a créés et nous, nous l'avons fabriqué. Naam, c'est comme si, je ne sais pas, si c'est moi, naam, qui te donne de l'argent et tu achètes du pain. Je peux dire que c'est moi qui t'ai acheté le pain que tu manges, c'est moi qui te l'ai donné. Pourtant, c'est toi qui l'as acheté avec de l'argent. Mais cet argent, c'est moi qui te l'ai donné. Donc, tu peux dire que le pain ne t'appartient pas en vérité. C'est moi qui te l'ai donné. Naam. Tfadl. Non, mon cher, je pense que la question c'était dans le sens où tout à l'heure pendant le cours vous aviez dit par exemple que c'est Allah qui avait créé l'alcool, mais pourtant il nous l'a interdit, etc. Non, je pense que c'était le sens de cette question. Question suivante, cher. Question d'une sœur. Qu'Allah vous récompense par le bien ainsi que toutes les personnes présentes. Si un mécréant meurt, et qu'il ne trouve personne pour s'occuper de son enterrement, hormis un musulman. Ce musulman est-il tenu de respecter les éventuelles volontés du mort qu'il a mis dans son testament, par exemple, le souhait d'être incinéré ou enterré d'une manière qui n'est pas légiférée? Barakallahu fikoum. Tfadal cher. Un musulman, un croyant, un pieux, s'il laisse comme testament, dans son testament, quelque chose qui n'est pas conforme avec la charia de la parole. Alors, qu'en est-il un mécréant? Vous avez compris? Un musulman, un croyant, ton père, auquel tu dois obéir, si maintenant il laisse dans son testament qu'il doit être incinéré, par exemple, c'est haram de lui faire ce qu'il a demandé. Alors, qu'en est-il un mécréant? Question suivante. Allah vous récompense et vous accorde le Firdaous. Donc, cette question n'a rien à voir avec le cours. Question suivante. Cher Abu Abdullah, les admins, qu'Allah vous préserve ainsi que les auditeurs. Question en rapport avec la création. Pouvez-vous confirmer que la miséricorde d'Allah qui atteint la terre jusqu'à cette miséricorde atteigne la jument qui préserve son poulain, soit une miséricorde créée. Jazakumullahu khairan pour ce magnifique rappel. Donc je vous la répète, cher, ou je vous la colle, inshallah, pour que ce soit plus clair pour vous. Tfadal, cher. Ce qu'il faut savoir, et il faut bien le mémoriser, c'est que la rahma, parce qu'elle parle ici de miséricorde, c'est rahma en arabe, ça se divise en deux. Naam. Il y a rahma, sifadatiya, qui n'a pas été créée, et il y a rahma que Allah subhanahu wa ta'ala a créée. Naam. Donc il y a deux rahma. Il y a la rahma qui est sifa d'Allah subhanahu wa ta'ala, dhatiya, qui fait partie de l'entité. Naam, on ne peut pas dire d'elle qu'elle est créée, car ça fait partie de Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah ta'ala n'est pas créé. Et il y a la rahma qui l'a créée, et qu'il a dit d'elle qu'il y en avait 100. Il a créé, il a divisé en 100, il a laissé 99 chez lui. Et il a fait descendre une rahma ici sur terre, et c'est avec cette rahma que yani, la jument préserve son poulain, etc. Celle-là, elle a été créée. Bi-idhnillahi ta'ala. Voilà, inshallah ta'ala, la réponse. Je n'ai pas reçu de réponse par rapport au frère qui a posé sa question en arabe. Tfadl. Non, monsieur, j'attends donc la réponse. Question suivante. Qu'Allah vous élève en degré, car sachez que vous êtes une lumière dans notre semaine, pour nous les frères et sœurs de France. Je ne sais pas si ma question est autorisée. En écoutant votre cours, vous avez dit il y a forcément un créateur pour une création. C'est impossible qu'une chose se crée seule. Et là, les questions fusent dans ma tête jusqu'à ce que j'en arrive à donc Allah est un créateur. Cela m'arrive souvent dans mon quotidien. Je sais qu'il est très grave de penser cela et c'est pour ça que je viens à vous. Pourquoi ne devons-nous pas se poser cette question
sachant que vous avez dit clairement il y a un créateur et une création. Pouvez-vous m'éclaircir? Car à l'instant où je vous écris, mon cœur n'est pas apaisé. Tfadal, cher. Allah Ta'ala qui nous a créés savait que le shaitan allait venir vers nous de temps en temps pour nous faire ce problème et nous dire puisque là telle chose a été créée, telle chose a été créée, telle chose a été créée, donc qui a créé Allah subhanahu wa ta'ala? C'est pour ça qu'il a ordonné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam Muhammad ibn Abdillah de nous apprendre comment parier à cela. Il a dit, si vous ressentez cette chose ou cette question en vous, alors que la personne, yani, se tourne, crache sur son épaule et dit, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Allahu ahad, Allahu samad, amantu billahi wa rasulihi, Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid, wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Naam. Le muhim, il a dit, inshallah ta'ala, que yani, le shaitan partira de lui. Maintenant, je dois me dire que si Allah Ta'ala lui-même était créé, donc il n'y aurait pas de fin. Et celui qui l'a créé, aussi doit-il être créé. Et comme ça. Mais ce qu'il faut dire par contre, c'est que naam, tout le monde et toute chose naam, a été créée, sauf Allah Ta'ala. C'est ça ma aqida. C'est par cette aqida que je deviens croyant et je deviens kafir. Naam. Seul Allah subhanahu wa ta'ala qui n'a pas été créé, mais c'est lui qui crée, le créateur. Et toutes les autres, tous les autres sont des créations, pas de créateur à part Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ça la aqida. À chaque fois que autre chose veut rentrer dans ta tête, tu la chasses. En lisant Adoublam, en lisant le Coran, en lisant Ayat al-Kursi, en t'occupant. Et ne pas rester comme ça, yani. À penser comme ça, car il n'y aura pas de, solution. Car la solution se trouve dans le Coran et la Sunna, pas dans la philosophie. Je m'arrête comme ça et je reste des heures à méditer. Je médite, je ne peux pas trouver de solution. Mais je lis dans le Coran, Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid. Il n'enfante pas, ou lam yulad, n'a pas été enfanté. Et je lis Allah. Allah, c'est le créateur de toutes choses. Et j'ai le cœur apaisé, Inch'Allah Ta'ala. Tfadal. Question suivante, question d'une sœur. Je ne comprends pas pourquoi la femme doit se voiler devant son père biologique, enfant hors mariage, alors qu'elle ne pourra jamais se marier avec lui. Pouvez-vous éclaircir ce sujet, Barakallahu fikoum? Tfadal, cher. Il l'a eu dans le haram. Il peut pas se marier avec elle. Pourquoi? Parce que il y a une comme punition, naam, et elle est sortie aussi de son eau. Mais laissez-moi vous dire que dans certains madhahib, comme dans le madhhab de Shafi'i, qu'il est permis de se marier avec elle. Dans certains madhahib, comme le madhhab de Shafi'i rahimahullah, qui dit que c'est possible de se marier avec elle. Il dit parce que ce n'est pas yani, sa fille. Ce n'est pas sa fille légitime. Mais l'avis le plus fort, inshallah ta'ala, c'est qu'il ne peut pas. Parce qu'elle vient de son eau. Elle vient de son eau. Mais comme il a eu cet enfant, sans dire bismillah, et sans se marier légitimement, donc il aura comme châtiment que yani, il ne peut pas se marier avec elle, c'est une étrangère et elle doit se voiler devant lui. Bi'idhnillahi ta'ala. Naam, tfadl. Naam, cher. Donc la personne m'a répondu pour la réponse en arabe et en français, inshallah. En arabe et en français pour que les autres puissent profiter. Tfadl, cher. C'est quoi sa question d'abord? طيب ما الفرق بين القضاء والقدر اولا فيه يعني فيه كلام طويل بين العلماء بعضهم من يقول هما من الكلمتين اللتين إذا اجتمعتا افترقتا وإذا افترقتا اجتمعتا وبعضهم وهذا إن شاء الله تعالى هذا مثل يعني الفقير والمسكين والبر والتقوى والقضاء والقدر هذا والإثم والعدوان و
المهم والصحيح، وبعضهم يقول هذا وهو الصحيح، أن القضاء، أو نبدأ بالقدر أفضل، أن القدر ما كان في اللوح المحفوظ. أي القضاء هو ما يعني تم قضاؤه. معنى ذلك أنه إذا كتب الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ أنه مثلا بعد غد يكون في الجزائر مثلا مطر، فالآن هذا المطر الذي سيكون لم يكن بعد، هو الآن في اللوح المحفوظ، هذا يسمى قدرا، هذا قدر. والقضاء بعد غد لما يسقط المطر نقول هذا قضاء. إذا القدر ما هو موجود في اللوح المحفوظ، والقضاء ما وقع يعني في الدنيا من قدر. إن شاء الله تعالى أن هذا مفهوم. وقوله صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، ما معنى الحديث؟ يعني الذي يتنطع ويبالغ ويتجاوز الحدود حتى ولو في الطاعة نقول عنه إنه هالك. هذا يعني لا يقف عند الحدود، إنما يتجاوز ويبالغ غاية يعني المبالغة، فهذا هالك لا محالة والعياذ بالله. Donc le frère a posé la question, c'était quoi la différence entre le qada ou le qadr? Qada ou le qadr. Et je lui ai expliqué que, à part que certains savants disent que ce sont deux mots qui, s'ils se groupent, ils se dispersent, et s'ils se dispersent, ils se groupent. Comme ça, ils disent. C'est comme le miskin ou le faqir, le birr ou le taqwa, l'ithm ou l'udwan, et beaucoup de mots comme ça. Et le miskin ou le faqir, le mohim. Mais. Inch'Allah ta'ala, l'avis le plus correct, c'est de dire, quand une chose est écrite sur la tablette préservée et n'a pas encore eu lieu, on dit d'elle, c'est qadr. Et quand cette chose qui était écrite a maintenant lieu, s'est produite, on dit d'elle qada. Je donne l'exemple de, par exemple, dans 2 jours, la pluie va tomber ici à Blida. Par exemple, ça, donc c'est écrit sur la tablette préservée que la pluie va tomber dans 2 jours à Blida. Donc nous, on ne sait pas. Mais si on savait, on va dire ça, c'est Qadr. C'est Lawh al-Mahfouz. Dans 2 jours, quand la pluie commence à tomber, on va dire ça, c'est Qada. Ce n'est pas Qadr, c'est Qada. Pourquoi? Car ça s'est produit. Donc, conclusion. La chose avant qu'elle ne se produise, quand elle est sur la tablette préservée, on dit d'elle qadar. Et après qu'elle se soit produite, on dit d'elle qada. Elle s'est produite. Comme a dit Allah Ta'ala, wa qudiya al-amru alladhi fihi istiftiyan. Wa qudiya al-amru alladhi fihi istiftiyan. Il a dit aussi, fa idha qadaytum manasikakum fadhkurullah inda al-mash'ari al-haram. Et comme il a dit aussi, fa idha qudiyat as-salatu fantashiru fil ard. وابتغوا من فضل الله قضيت طيب. Et ensuite il a dit c'est quoi, que veut dire le hadith هلك المتنطعون. Je lui ai dit هلك المتنطعون, ça veut dire que les exagérateurs يعني iront vers leur perte et leur ruine. Il n'y a pas une personne qui n'exagère pas, même si c'est dans les adorations, sans qu'elle n'aille à sa ruine. أعوذ بالله. Quelqu'un qui est moyen, il va, inshallah ta'ala, jusqu'à la fin du chemin. Mais quelqu'un qui veut exagérer et veut faire tout à la fois, hein, il va dire aujourd'hui, voilà, aujourd'hui je vais prier 200 rakat la nuit. Au lieu de dormir, je vais prier 200. Et ensuite, demain, il va essayer aussi 200, 3 jours 200, ensuite il va tout à non seulement la prière de la nuit, mais la prière obligatoire, il va l'arrêter, il va dire, moi j'en peux plus, il abandonne. Comme ça veut dire le prophète, il veut dire les rigoristes et les exagérateurs vont vers leur ruine. Tfadal. Question suivante, question d'une sœur. Par rapport au moment où le cher a parlé des doigts, je voulais savoir concernant les invocations de la femme qui accouche, il est dit que les invocations de la femme qui accouchent sont exaucés. Est-il légiféré de saisir cette opportunité en demandant à sa femme de prononcer certaines doigts à ce moment pour demander des choses précises à Allah Azzawajal concernant notre risque
et nos projets. Et pour soulager les douleurs de la femme qui accouche, il faut mettre du safran dans une bouteille d'eau. Et quelle sourate faut-il réciter selon la sunna? Barakallahu fikoum. Tfadal cheikh. Pour les deux choses qu'elle a citées, il n'y a rien d'authentique dans la sunna. Que ça soit que pendant le moment de l'accouchement, c'est un moment d'exaucement de doigts. Ce n'est pas vrai, il n'y a rien dans la sunna ni dans le Coran qui dit cela. Quant au safran et écrire dessus des ayats et je ne sais quoi, il n'y a pas ça aussi dans la sunna. Il n'y a pas aussi ça dans la sunna. Ça, c'est quelque chose qu'a cité Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dans Zad al-Ma'ad et dans certains de ses livres. Il a dit que yani, certains le faisaient, que ça donnait des résultats, ça allégeait les maux, etc. Sinon, si vous cherchez, yani, s'il y a ça dans le Coran ou de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'y en a pas. Naam, tfadl. Non, cher, donc je vous lis la question suivante. Je vous ai dit, cher, pour moi, elle n'est pas claire la question, elle le sera peut-être pour vous. Donc le frère dit, cher, avez-vous une preuve concrète, un verset ou un hadith, pour expliquer que l'auteur des trois fondements prend comme dalil de la science le verset dans Sourate Al-Asr, par le temps, il a l'adina amanu, sauf ceux qui ont cru. Wa hafizakum Allah. تفضل الشيخ Wallah al-Azim, j'ai pas compris cette question. Je n'ai pas compris cette question. Peut-être qu'il manque quelque chose, mais ça ne fait rien. Relis-la encore une fois. Tfadl. je vous la répète cher cher avez-vous une preuve concrète un verset ou un hadith pour expliquer que l'auteur des trois fondements prend comme dalil de la science le verset dans Sourate Al-Asr par le temps il a l'adina amanu sauf ceux qui ont cru. Tfadal cher. Non, rien. Non. Je n'ai aucune relation avec ce qu'a dit cette personne. Pour que l'auteur des trois fondements prend comme dalil de la science le verset dans son glace, par exemple, sauf ceux qui ont cru. La science. L'obligation de la science. Je veux dire, où est la preuve dans le verset? Ça implique l'obligation de la science. L'obligation de la science, c'est pas dans ce verset. Dans ce verset, c'est l'obligation de quoi? De transmettre l'âme, amanu amilu salih, et de se, comment on dit, tawassu bil haqq, de se donner la, yani de se faire patienter, de se, tawassu bil haqq. Le message dans la patience, c'est la vérité. La vérité et la patience. Naam. Il n'y a plus de son, cher. J'ai répondu. J'ai dit que le fait de demander de la science, ce n'est pas pris de ce verset. Naam. Alors, question suivante, cher. Je possède des assiettes contenant des représentations figurées que je n'ai pas réussi à effacer. J'aimerais m'en débarrasser pour avoir de la place. Puis-je les mettre aux encombrants? Nous encombrons, sinon que dois-je faire? Barakallahu fikoum. Tfadal cher. On va ouvrir la question. La science mise en pratique, la dawa puis la patience. Donc, on prend la sourate l'As pour dire la preuve de la science, c'est l'adina amanu. La preuve de l'application amanu salihat. La preuve de dawa, c'est une preuve qui, pourquoi Cheikh a donné l'adina amanu comme dalil de la science. Naam. Il veut dire, le Cheikh veut dire, parce qu'il a dit ça auparavant, qu'il n'y a pas de haine sans la science. Il n'y a pas de haine sans la science. Afwan, il n'y a pas de haine. Il n'y a pas de foi. Il n'y a pas de foi sans la science. Il faut que tu saches d'abord une chose, ensuite tu vas avoir de la foi. Naam. Est-ce que quelqu'un, par exemple, peut croire en Allah subhanahu wa ta'ala si, par exemple, il ne sait pas que Allah ta'ala est unique, par exemple? Il ne sait pas, donc comment doit-il croire? On doit lui dire, Allah subhanahu wa ta'ala, naam, par exemple, c'est yani, le seul
Allah Ta'ala n'enfante pas, n'a pas été n'enfante pas, n'a pas été enfanté. Ensuite, il va croire en ça, il va avoir de la foi. Mais si c'est pas ça, il peut pas croire. Et comme ça, c'est pourquoi il y a la science avant l'amal. La foi, ça rentre aussi dans l'amal. Donc le cheikh a pris de cela, yani l'obligation de la science. Wallahu ta'ala alam. Je possède des assiettes contenant des raisins figurés et je n'ai pas réussi à les faire. J'aimerais m'en débarrasser pour avoir de la place. Puis les mettre encombrant. Le mot encombrant, je n'ai jamais entendu de ma vie. Faut me dire qu'est-ce que ça veut dire. Des choses qui encombrent. Je sais ce que c'est, mais. Aux encombrants. Qu'est-ce que ça veut dire aux encombrants? Qu'est-ce que ça veut dire? Encombrer, je sais ce que ça veut dire le verbe. Mais les encombrants, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est une place. On met cela, ou bien un placard, ou bien. Non, cher, après, je ne sais pas si ça se passe comme ça partout en France. Voilà, dans certaines régions, dans certaines villes, les encombrants, en fait, c'est les personnes qui jettent les choses qu'ils n'utilisent plus chez eux. Ils les jettent devant chez eux. Et vous avez, en fait, un camion qui passe et qui ramasse toutes ces affaires. Même si c'est si c'est ce que veut dire cette sœur, les encombrants. Donc, les gens jettent devant chez eux les affaires qu'ils n'utilisent plus, et ensuite c'est ramassé par un camion qui va les amener à la déchetterie. Allahu a'lam. Tfadal cheikh. Moi je suis sûr, Wallahu ta'ala alam, que si la personne elle faisait des efforts, qu'elle peut trouver une sorte de teinture pour les assiettes. Sinon, les assiettes, comment qu'on les teint? Leur peinture, ça vient d'où? Pour qu'ils deviennent vert, rouge, noir et que les assiettes contiennent des photos, des images, des dessins. Il faut qu'il y ait quelque chose. Donc si la personne cherche, je suis sûr qu'il y a de la teinture pour yani teinter ou mettre quelque chose. Yani, il dit, certains mettent une sorte de matière dessus qui reste même après la vaisselle. Il y a des choses qu'on peut mettre sur l'assiette pour qu'on ne voit plus, on ne voit plus yani, les photos ou là ce qu'il y a, les images d'âme. Il y a toujours un moyen, si on a par exemple un homme ou un animal là. Il faut juste enlever yani, la tête. Comme a dit le prophète, il a dit Sura Ras. Il n'a pas Sura tout Ras. Si on enlève la tête, ce n'est plus donc yani, interdit. Donc il faut voir comment, yani, au lieu de jeter des assiettes ou là, il vaut mieux yani, s'en servir, mais juste yani, voir comment cacher cette tête ou comment la teinter, cette assiette, et trouver yani, quelque chose mieux de. Jeter mieux que de jeter ses assiettes. Wallahu ta'ala alam. Question suivante, question d'un frère. Ma question concerne les quatre choses parmi d'autres qui sont écrites par l'ange dans le ventre de la mère. Je ne sais pas comment le dire correctement, mais je remarque qu'il y a des choses du destin dans lesquelles on a une part, comme le fait de faire un acte bon ou mauvais, et d'autres dans lesquelles on ne prend pas de part, comme le temps qu'il va vivre. Et cela me rappelle ce que nous avions vu dans un cours précédent. Ma question est, ces choses sont-elles bien les mêmes que celles vues précédemment, celles qu'Allah a ordonnées à la plume d'écrire tout ce qui va advenir et ce avant d'avoir fait la création? Tfadachir. Pour dire la vérité, la question chez moi n'est pas très claire, mais ce que l'ange va écrire, comme vous avez remarqué, ça se divise en deux. Il y a des choses, c'est nous qui on le fait, et il y a des choses comme notre mort, par exemple, c'est pas nous qui commandons. Naam. C'est yani, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Même si dans yani, bonheur et malheur, des fois on a une influence sur cela. Car si j'adore Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit, Allah ta'ala a promis de faire de moi un heureux. Et si je vais à la débauche, je serai aussi malheureux. À part cela, je ne comprends pas c'est quoi exactement la question du frère. Ma question est, ces choses sont-elles bien les mêmes que celles vues précédemment? Celle que Allah Ta'ala donne la plume d'écrire tout ce qui va devenir. Non, tout ce que va écrire l'ange ici, c'est déjà écrit dans la tablette préservée 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre.
Non. Ce que l'ange va écrire dans le ventre de la mère, c'est conforme à 100% à ce qu'il y a sur la tablette préservée. Voilà, inshallah ta'ala, la réponse. Tfadal. Non, donc dernière question, cher. Question d'une sœur. Hayakum Allah, l'exemple du scorpion qui a été une cause pour faire sortir le risque est-il valable aussi pour un mal quand la personne est éprouvée? Peut-il y avoir un khair derrière, un risque positif? Wa jazakumullahu khairan cher et aux admins. Fadal cher. Naam, le hadith du prophète est clair que il s'est étonné de l'affaire du croyant. Et c'est seulement croyant. Ajaban li amri al-mu'min. Une mu'min, faqat, pas un autre. Qu'est-ce qu'il a? Naam, si c'est un bien, il remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour ce bien. Alhamdulillah, ça va être un bien pour lui. Et si c'est un mal ou une épreuve ou une difficulté, naam, et il patiente pour Allah subhanahu wa ta'ala, ça sera un bien pour lui. Naam. Et combien de fois on voit la chose qui est un mal apparemment, et au fil des jours, quand ça va passer un mois, 2 mois, on va voir que c'est un bien, un grand bien, mashallah ta'ala. Je donne l'exemple d'une mère, naam, qui, lorsqu'elle a eu un bébé, son bébé est mort. Et elle n'était pas dans le din, vraiment loin du din. Naam. Et ce bébé, cette mort, l'a tellement touché donc qu'elle a commencé à se poser des questions. Et pourquoi il est mort? Il n'a rien fait, c'est un bébé, c'est un ange, normalement, il ne meurt pas, ceci, cela. Et elle a commencé donc à poser des questions à elle-même, aux gens, aux voisins. Et certains ont commencé à l'orienter. Allah Ta'ala a dit, le prophète a dit, elle a commencé à lire. Et qu'est-ce qui est advenu après cette mort du bébé? La vie de la mère. Donc d'un côté une mort et de l'autre une vie, une nouvelle vie pour la mère qui maintenant yani, est rentrée donc dans le dîn et impliquée à fond, salaf, Allah Ta'ala dit, son prophète a dit, Subhanallah l'adim. Mais si maintenant on voyait seulement yani, le bébé qui est mort, on va dire donc yani, c'est un grand mal. Non, ce n'est pas un grand mal, c'est un grand bien pour les deux, pour le bébé, car c'est le paradis qui l'attend, inshallah ta'ala. Il n'a fait aucun mal, aucun péché. Et pour la mère, si le bébé n'était pas mort, elle serait toujours dans la débauche, peut-être. Et maintenant, ça a été une cause d'elle pour qu'elle revienne vers Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que avant que ça se passe comme ça, si tu aurais dit à cette personne, yani, si ton bébé va mourir, tu vas avoir un grand bien. Est-ce qu'elle va te croire? On va dire jamais. Moi, laisse-moi mon bébé, c'est tout. Mais regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala yani, écrit les choses. Naam. Et c'est toujours pour le mu'min, c'est toujours du khair. Qu'il le sache ou qu'il ne le sache pas. Des fois, c'est un grand khair et même lui, il ne le sait pas, il ne le perçoit pas, il ne le conçoit pas. Mais c'est un grand khair. Et des fois, après des années, qu'il sait que c'est un grand khair. Naam. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'mat l'islam, alhamdulillah ala ni'mat al-din, wa ni'mat minhaj al-salaf. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala raffermisse nos cœurs sur l'islam et sur la droiture, sur le vrai. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse mourir soumis. Nous fasse mourir soumis. Et nous fasse rentrer au paradis de par sa grâce et non pas de par nos œuvres. Demain, aujourd'hui c'est quoi? Hein, demain c'est lundi. Demain il n'y a pas cours, inshallah ta'ala, pour le mal et le remède. Il y aura, inshallah ta'ala, cours mercredi, bi'idhnillahi ta'ala. Pourquoi tu as écrit dimanche, musulman? Mercredi, c'est rendez-vous mercredi, inshallah. Naam. Donc, subhanakallahumma bihamdik, shahadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, musulman, j'ai compris. Jazakallahu khairan. Assalamu alaikum.